Allons-y. Alors, parler d'intégrale faussement impropre vendredi, on va continuer là-dessus. J'étais plutôt en train de dire que justement, d'un point de vue calcul, on ne peut pas utiliser les techniques classiques, type intégration par partie ou ce genre de choses, selon ce qu'on a besoin. Pour pouvoir faire les calculs, on l'a revu hier en TD. L'idée ici, c'est donc ça. Enfin, c'est de prendre cette intégrale-là et de calculer. Donc, je sais même pas si on a montré qu'elle était faussement impropre, ou sinon on va le refaire, ça va prendre 10 secondes. Mais en gros, moralement, c'est montrer que cette intégrale est faussement impropre et ensuite calculer gn plus 2 moins gn. Pourquoi cette intégrale est faussement impropre? Je vais juste revenir très très vite dessus. La fonction qui a t donne sinus nt sur sinus t est simplement en fait continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est des quotients de fonctions de référence, il n'y a aucun problème avec le numérateur, il y a un problème avec le numérateur, avec le dénominateur, pardon, parce que sinus t égale 0, c'est équivalent pour l'intervalle t appartenant à 0 pi sur 2. Ça, c'est équivalent à dire que t vaut 0. Bien sûr, le sinus annule tous les pi. Donc c'est du kπ normalement, mais ici, puisqu'on est sur l'intervalle 0 pi sur 2, ça revient à ça. Puisque cette fonction est uniquement continue sur 0 pi sur 2, ça montre que jn est impropre en 0. Pour savoir si l'intégrale converge, il faut donc essayer de voir si la fonction a une limite en 0. Donc on regarde du sinus nt sur sinus t en 0. Alors, pour contrôler, ça fait du 0 sur 0 forme indéterminée. Il faut utiliser les développements limités. Puisqu'on n'a rien d'autre que ça, on peut se limiter à faire du premier ordre. Et du premier ordre, c'est du nt plus petit o de nt en haut, vu que c'est du t pour sinus. Et en bas, ça fait du t plus petit o de t. J'ai même pas besoin de m'embêter avec les petits o. Je peux directement aussi passer aux équivalents quand t tend vers 0. Ça fait du nt sur t. Et ça fait n, n étant une constante quand t tend vers 0. Ce qui implique, donc ça je peux l'écrire si vous voulez, mais ça tend quand t tend vers 0 vers n. C'est bien une constante. Donc f de t qui est la fonction sinus nt sur sinus t est prolongeable par continuité. Enfin, pas lorsque en prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 qui vaut n et l'intégrale est faussement impropre. Voilà pour ça. Je sais plus si on l'avait fait, mais au moins c'est refait. Bon, ça montre comment on prouve qu'une intégrale est convergente et ça va bien plus vite que d'essayer de la calculer, parce qu'on va voir que c'est justement le calcul de jn plus 2 moins jn qui va essayer de nous donner le calcul de cette intégrale. Alors on sait donc que jn existe pour tout n. Du coup, là, il faut juste réfléchir un tout petit peu. On vous demande de calculer jn plus 2 moins jn, qui devient donc deux symboles qui existent bien, il n'y a pas de souci. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus n plus 2t. Ok. Sur sinus t, dt, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus nt sur sinus t, dt. Du coup, là, j'ai une question, mais c'est juste pour vérifier. On n'a pas les techniques de calcul type IPP, changement de variable, etc. Mais est-ce que j'ai le droit de regrouper mes deux intégrales? Pourquoi il y aurait le moindre problème?
Les deux symboles existent séparément, donc forcément, si les deux existent séparément, si je les regroupe, il ne peut pas y avoir le moindre problème qui va apparaître. Dans ce sens-là, ça ne pose pas de problème. Attention, dans l'autre sens, ça ne marche pas forcément. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une simplification pour prolonger votre fonction par continuité, mais que si vous la séparez en deux morceaux, les deux morceaux séparés ne se simplifient pas. Mais dans ce sens-ci, il n'y a aucun problème. Ce qui fait que ça fait du sinus n plus 2 t moins sinus nt. Le tout sur sinus t, c'est le même dénominateur, donc la mise au même dénominateur est facile. Et la question ici, c'est comment je continue? À l'écrit, il y aurait une question pour vous aider, je pense. Mais ici, on est en classe, on sait faire sans, il faut essayer de développer des réflexes, même si on n'a pas la formule en tête. Comment on poursuit ça? Quelle est l'idée? On veut calculer maintenant l'intégrale, hein, le but. On factorise. Par quoi est-ce que vous voulez factoriser? C'est quoi le facteur commun entre sinus nt et sinus n plus 2t? Oh! J'y avais pas pensé, ça marche cette horreur? Si vous voulez le voir comme ça. Ça marche moins bien. Donc c'est on va pas le faire. Noir? Alors c'est l'idée que je viens de dire en disant, avec l'idée qu'ils avaient derrière de vouloir factoriser, l'idée de faire ça, donc de faire du sinus nt, enfin nt plus 2t, d'essayer de développer, de regrouper, c'est pour ça que je dis qu'elle va marcher moins bien parce qu'elle va faire apparaître, il y aura un terme qui va bien se factoriser, mais il y aura un terme en cos nt qui va apparaître et ce terme-là, il va pas être bien géré facilement. Donc ça va marcher, mais c'est long et technique. Et ici, ce que je voulais vous rappeler, Hugo. C'est les formules de duplication et pas de déphasage, mais c'est ce que dit Noah aussi, c'est la même chose. Donc si vous le voyez avec du NT plus de T, je le ferai peut-être après, mais c'est pour ça que je vous dis qu'à l'écrit, il y aurait une formule pour vous aider. Vous n'avez pas officiellement à les connaître, mais je vous rappelle qu'il existe des formules qui permettent de transformer les sommes de sinus ou les sommes de cosinus en produits. C'est vos formules de duplication, mais réécrites un tout petit peu en les mélangeant. Donc écrivons ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence de sinus? Si par exemple on fait sinus A plus B, vous devez savoir que ça fait du sin A cos B plus sin B cos A. Et du coup, si je fais par exemple du sinus A moins B, si je change juste un des signes, alors il faut bien voir que cos étant paire, ça va faire du sin A cos B. Et l'autre, ça va faire du moins sin B cos A. Moralement, l'idée, c'est juste de. Donc si moi, là, ce que je veux faire, c'est faire une différence de sinus. Donc si je fais par exemple du sinus A plus B moins sinus A moins B, ça. Je vais pouvoir faire en gros la différence de mes équations 1 et 2 si je les note comme ça. Ici, je suis en train de faire 1 moins 2. Et vous devez vous rendre compte que si je fais 1 moins 2, ces deux termes-là ici vont se simplifier. Et il va rester que les deux autres, ce qui va me faire du moins 2 sin b cos a. Ok. Donc maintenant la question c'est quelle est la valeur de A plus B et de A moins B qu'il faut trouver pour retomber sur sinus n plus 2t et sinus nt. Donc l'idée c'est de poser A plus B qui vaudrait pour nous n plus 2t, A moins B qui vaudrait nt. Et on peut adapter cette formule. Du coup si, il faut faire une petite résolution sur le côté, mais si A plus B vaut n plus 2t, et si a moins b vaut nt, on peut trouver la valeur de a par exemple en faisant un pivot là-dessus. Si je remplace L2 par L2 plus L1, tiens, je fais pas un pivot sur a en fait, je suis bête. Mon but c'est de simplifier les b en fait, c'était plus de trouver a, pardon. Donc le pivot il est plutôt sur b. Dans ce cas-là, si je fais la somme des deux, je sais que je vais simplifier.
Et ça va me faire du 2a qui va valoir du 2n plus 2. Là-haut, je vais avoir b qui va valoir n plus 2t moins a. Et donc, on va pouvoir obtenir que a, ça vaut tout simplement du n plus 1t et que b, puisque a, ça vaut du n plus 1t, b, ça va valoir t. Et ça marche bien, hein, ça fait bien du n plus 1t plus t, ça fait n plus 2t et du n plus 1t moins t, ça fait bien du nt. On a donc que notre jn plus 2 moins jn, avec la formule qui est là, ça devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins sinus n plus 1 t. On va se retrouver avec du cos t. C'est quoi qui nous est resté, pardon? C'était du sin b cos a. Ah, excusez-moi, c'est du sin b cos a, pardon. Et ça marche mieux. Si c'est du sin b cos a, b c'était t, donc ça me fait me faire du sin t cos n plus 1 t. J'ai oublié le 2 sur sinus t dt. Voilà ce que donne la formule à appliquer. Et vous voyez l'intérêt de cette formule directement, c'est que ça simplifie le dénominateur en sinus. Et il ne nous reste plus que, je peux sortir le moins 2 de l'intégrale, moins 2 intégrale de 0 à pi sur 2 de cos n plus 1 t dt. Donc voilà, là je n'ai appliqué aucune règle d'intégrale sur une intégrale impropre, j'ai juste regroupé mes deux intégrales et appliqué une formule de Trigault. Donc tout marche. Et la magie, c'est que maintenant la nouvelle intégrale qu'on a, elle est plus du tout impropre. Donc même si j'avais besoin de technique dessus, on va voir qu'on n'est pas obligé, mais si j'avais besoin de technique dessus comme changement de variable, IPP, je peux m'en sortir sans la moindre difficulté. Comment on la calcule cette nouvelle intégrale qu'on a obtenue pour finir l'exo? Hugo? Par quelle puissante formule de Trigault tu me fais ça? Cos de A plus B, c'est cos de A fois cos de B. Ça vient d'où ça? C'est cos A cos B moins sin A sin B. Hein. Et tu vas remettre du t dans tous les dans tous tes cos et tes sinus. Hein. C'est une catastrophe de faire ça. Bah dans ce cas, ça dépendait pas de t. Je le sortais de mon intégrale et j'avais fini le calcul. Donc c'était quand même pas une bonne idée. Martin ? Si, c'est un plus 2, pardon. Excusez-moi, pourquoi j'ai mis un moins 2 ? En effet. C'est ça moins ça, bien entendu. C'est un plus 2. Merci, je sais pas ce qui m'a pris. Merci Martin. Ce qui change juste qu'ici, c'est 1. Alors quoi qu'il arrive, je vous le dis, hein, mais je m'en serais rendu compte à la fin pour une seule raison, et vous devriez vous en rendre compte à la fin si vous faites une erreur pareille. C'est que ça veut dire qu'à la fin de mes calculs, j'avoue que ce moins me gênait pour le moment, mais j'attendais de finir mes calculs pour voir comment ça se passait. Si à la fin de mes calculs, j'obtenais une intégrale qui était entre guillemets négative, alors que je savais que ma fonction devait être positive, à ce moment-là je savais qu'il y avait un problème quelque part dessus. Mais j'attendais de finir les calculs pour me rendre compte de ça. Peut-être que ce moins allait se compenser au milieu des calculs ou ce genre de choses. Pardon, donc il y avait un plus ici, mais ça ne change pas comment je calcule cette intégrale. Il y a deux idées, hein. Soit on fait une technique, soit il faut penser à quelque chose, cas ou tard. Ça c'est du cos AB, c'est même pas du cos A plus B, il n'y a pas besoin de formule de duplication. Vous cherchez des techniques de Trigault quand c'est de l'intégrale là qu'il faut parler, c'est juste ça. Noir ? Alors c'est ça que j'allais dire, c'est pour ça, soit technique, soit méthode, enfin, soit on voit que c'est une forme de référence, si vous le voyez, vous ne vous trompez pas et vous la primitivez correctement, soit si vous ne voyez pas la forme de référence, il suffit de faire un changement de variable affine, il suffit de poser la variable u qui vaut n plus 1t,
et vous avez comme ça l'intérieur du cossu. Et cossu, c'est une primitive de référence. Donc primitive de référence, forme, enfin, moralement, changement de variable ou forme de référence, c'est la même chose à voir. Je vais faire une forme de référence pour aller un tout petit peu plus vite. U de t, c'est n plus 1 t, donc u prime de t, c'est n plus 1. Du coup, cette intégrale-là, je la réécris deux fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos u de t. Et ensuite, je multiplie par u' de t divisé par n plus 1 dt, ce qui me fait du 2 sur n plus 1, et je me retrouve avec l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' cos u. C'est bien la dérivée, attention de ne pas vous tromper en primitivant cette horreur, mais c'est la dérivée de quelle fonction u' cos u? C'est une dérivée de composé, donc c'est la dérivée de... Voilà, c'est juste ça qu'il ne faut pas se rater, c'est du sinus de u. Entre 0 et pi sur 2. Et ce qui fait du 2 sur n plus 1, et ça me fait du sinus n plus 1 pi sur 2. Moins sinus 0, sinus 0 valant lui 0. Je ne simplifie pas le calcul, mais ça fait ça. Donc voilà, j'aime bien cet exercice-là parce que ça vous montre qu'on peut quand même mener des calculs sur des intégrales faussement impropres sans forcément remettre des bornes, du moment qu'on n'utilise ni changement de variable, ni IPP. Moralement, c'est les deux techniques de calcul qu'on a qui demandent à être faites avec, absolument avec des bornes et sur un segment où ça marche. Par contre, si on arrive à faire une transformation avant de l'intégrale qui la transforme en intégrale non impropre, c'est le cas ici, on peut tout... Même là, maintenant, on aurait pu faire une IPP ou un changement de variable, ça n'aurait pas posé le moindre problème. Voilà pour ces intégrales impropres. On a à peu près... Enfin, faussement impropres. On aura un vrai chapitre plus tard sur les vraies intégrales réellement impropres, les intégrales qui vont jusqu'à plus l'infini et ce genre de choses, donc on en reparlera plus tard. Pour le moment, c'est juste... Moralement, c'est pas trop la question de calcul qui m'intéresse, c'est plutôt la question de prolongement par continuité. Moi, on a déjà fait pas mal. On va reparler un peu de prolongement par... Enfin, pas de prolongement par continuité, mais une notion de fonction continue. Parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire un exemple. Et je voulais reprendre... Alors, je sais pas où je l'ai mis. Ah, je l'ai mis où, ma fonction horrible? Ça, c'est mes changements de variables... Théorème des accroissements fini. Elle est là. Il y a un problème, j'ai dû encore... Enfin, il y a une faute de frappe dans cet exo, je le vois de tête. Alors, il faut que je le retrouve, la faute de frappe, mais c'est pas du... C'est pas du 1 sur 6πx ici, c'est pas ça du tout. L'expression qui est là, la troisième expression, il faut pas que je me trompe. Pi sur 6, je vois 1/2. C'est du 6 sur pi ici. C'est pas du 6 pi, la fraction a pas dû passer, ça doit être du 6 sur pi x. Et non, il me manque 1 sur 2, sinon je vais avoir des problèmes. Je suis pas fou, hein. Donc je vais réécrire toute la fonction. La troisième morceau de la fonction, on va mettre que c'est du 1 moins pi sur 3x. Non. Je veux faire du pi sur 6, donc le pi, je le simplifie. C'est du 1 moins pi sur 12x. Alors. Bon, c'est pas très très important cette fonction-là, c'est juste un exemple que j'ai poussé un peu trop bête. Mais c'est pour expliquer quelque chose qu'on a vu hier.
Hier, on a fait un exo, je sais plus exactement c'était quoi la fonction, mais c'était un truc, enfin si, ça doit être ça de mémoire. Hein. On avait cette fonction-là qui vous était donnée sur un intervalle qui était l'intervalle moins l'infini, 1 ouvert, et ensuite on posait comme expression que la fonction valait 1 lorsque x égale 1, donc elle valait 1 en 1. Et j'ai eu un très mauvais réflexe, et il n'y a pas de cours là-dessus, enfin je sais pas comment dire, il n'y a pas de cours. C'est juste de la compréhension et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait fait un exercice, mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de. Faut juste que vous y réfléchissiez. Certains m'ont dit, mais je peux montrer que la fonction 1, elle est continue en 1. Tout à fait d'accord avec vous. Je peux montrer que la fonction qui a non pas la fonction phi, mais la fonction qui a l'expression x plus 1 moins x, ln de 1 moins x, est continue sur moins l'infini 1 ouvert. Donc j'ai un morceau qui est continu sur moins l'infini 1 ouvert et j'ai un morceau continu en 1. La fonction globale est forcément continue. C'est complètement faux. Ce que je veux dire par là, c'est, et je l'ai expliqué hier, mais il faut qu'on le voit bien, c'est que, imaginons que votre fonction ici en 1, elle vaut ceci, elle vaut 1 en 1, donc elle est parfaitement bien définie. Et oui, parler de continuité en un seul point, c'est un peu bête, mais oui, je suis d'accord avec vous, on peut dire que cette fonction point est parfaitement continue, ça ne me pose aucun problème. Tout comme on peut dire que l'autre fonction qui va de moins l'infini à 0, je fais n'importe quoi, est parfaitement continue. Par les règles d'opération sur les expressions de fonctions qu'on a vues en début d'année. Par contre, et clairement, ben, ce n'est pas des choses sur lesquelles nous on va tomber naturellement, mais plutôt des choses sur lesquelles vous tomberez l'année prochaine ou nous en fin d'année si on a le temps, qu'on va parler de fonctions de répartition de variables aléatoires continues. Mais moralement, il reste quoi qu'il arrive, même si cette fonction est continue sur moins l'infini 1, et si cette fonction est bien elle-même continue en 1, quand on veut relier deux expressions différentes, il y a toujours une question qui se pose qui est-ce que le graphe, quand je fais tendre par ici, et imaginons que ce graphe-là avait continué de l'autre côté, est-ce que ce graphe, quand je le fais tendre par ici, est-ce que ces deux graphes vont bien vers la même limite? Donc quand une fonction a plusieurs expressions, et c'est le seul intérêt de cet exo, et c'est la seule chose que je veux vous faire comprendre, quand une fonction a plusieurs expressions, prouver la continuité de la fonction sur R tout entier ou sur n'importe quoi, c'est appliquer les règles sur chacun des intervalles pour chacune des expressions, et ensuite aller regarder, quoi qu'il arrive, les limites aux jonctions des fonctions. Alors, parfois, ce ne sera pas compliqué. On va voir que pour cette fonction-là, il n'y a vraiment strictement rien de compliqué pour les limites, mais il faut que vous pensiez que juste appliquer les règles ne vous donnera rien. Il faut faire ce qui se passe aux jonctions. Alors allons-y. Faisons cet exercice 4 pour ça. Donc on vous donne une fonction f de x qui a trois expressions. Une expression si x est strictement négatif. Une expression si x est entre 0 et pi sur 6. Et une troisième expression, moralement c'est marqué sinon, mais ça c'est si x strictement plus grand que pi sur 6, cette troisième expression. Et on veut montrer que cette fonction est continue, positive sur R et calculer ses limites en plus ou moins l'infini. On pourrait montrer qu'elle est croissante vu que c'est une fonction de répartition, mais ça on le fera en fin d'année. Étudions surtout sa continuité, c'est ça qui m'intéresse. On va parler des fonctions référence mises en jeu. La fonction x donne exponentielle x, on sait nous qu'elle est continue sur R. Ça implique instantanément que la fonction f et continue là où elle a cette expression-là, donc sur moins l'infini, 0. Ensuite, la fonction qui a x donne cos x. On sait qu'elle est continue sur R. Ça nous apprend instantanément que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 pi sur 6. Et c'est là où c'est important. Je vais pointer, mais on ne peut pas inclure zéro et pi sur 6 les limites ces points particuliers, ce que j'appelle les points de raccord, quoi. C'est là où les expressions changent. Ah, donc pour le moment, on est obligé de parler d'ouvert, entre guillemets, tant que la fonction change d'expression à ses bords.
Et enfin, on a une dernière fonction qui est la fonction 1 moins 1 sur, j'ai écrit, non, c'est, j'ai écrit du pi sur 12x. Ah bah c'est une fonction inverse. Moralement, on sait que cette fonction inverse, elle est continue sur R étoile. Le pi sur 12, c'est une constante, ça change rien. Ce qui implique que f, elle est clairement continue sur pi sur 6. Encore une fois, je ne peux pas inclure le pi sur 6 jusqu'à plus l'infini. Donc des règles sur les points officiels, enfin sur les expressions de fonctions, ça nous donne que cette fonction elle est clairement continue sur moins l'infini 0, 0 pi sur 6, et pi sur 6 plus l'infini. Ah, j'arrive pas à... Ce qu'on pourrait réécrire aussi. Comme elle est continue sur R privé de 0 et de pi sur 6. Alors, on n'a pas fini. Du coup, si on applique les règles officielles, voilà ce qu'on obtient. Pour arriver à trouver la continuité en 0 et en pi sur 6, il faut aller regarder que les deux graphes vont bien vers le même point. Donc, il faut faire la limite à gauche et la limite à droite en ces deux points. Donc, par exemple, en 0, f de x... Si x tend vers 0, x strictement plus petit que 0, l'expression c'est exponentielle x qui tend, quand x tend vers 0 et x plus strictement plus petit que 0, vers, pas de problème de limite, hein. Ça fait 1. Et je rappelle que l'expression de la fonction était fixée. Par contre, f de x... Si x tend vers 0 et x positif, là l'expression c'est clairement cos x, ce qui veut dire que moralement ça tend quand x tend vers 0, là c'est juste du, il n'y a pas de limite potentielle, c'est vraiment égal à cos de 0 qui fait 1. Donc f est continu en 0. Il reste à faire en pi sur 6. En pi sur 6, f de x, si x est inférieur ou égal à pi sur 6, je n'ai pas besoin de mettre que ça tend en fait. Si x est inférieur ou égal à pi sur 6, son expression c'est encore cosinus 6. Ça m'implique que f de pi sur 6, dans ce sens-là, je n'ai même pas besoin de passer à la limite en fait. Ça fait cos de pi sur 6. Et tout le monde le sait, cosinus de pi sur 6, ça fait... ouais, donc je me suis planté quand j'ai fait mon 1 douzième là, parce que ça n'a pas tombé juste. Vu que je me suis trompé avec sinus. Donc elle va pas être continue en pi sur 6 à moins que je change mon expression. F de x, c'est égal quand x est strictement plus grand que pi sur 6 à 1 moins, je vais devoir changer mon expression parce que là ça marche pas. Si je fais ça, j'ai dit quoi? Pi sur 12x, c'est ça? Et donc ça tend quand x tend vers pi sur 6. Il va falloir que je modifie mon expression. Moralement, ce qui va m'intéresser, c'est que ça tende vers... Là, ce que j'ai obtenu, c'est du 1 moins... non, c'était pas du 1, c'était du 12, c'était du pi, pardon. Donc j'ai mis 12 pi sur 6. Et donc à l'heure actuelle, ça tend vers 1 moins 1,5, il faut que je corrige. Vu que je veux que ça tende vers... je veux que ça tende vers racine de 3 sur 2. Ce qui fait que je veux du 1 moins 1,5. Non, je veux pas du 1 moins 1,5. Je veux du 1 moins... donc c'est du pi sur 6x. Qui vaut racine de 3 sur 2. Pi sur ax qui vaut racine de 3 sur 2, excusez-moi. Ça me fait du... qui va valoir du 1 moins racine de 3 sur 2. Sur...
Alors, je reprends mon exo, désolé, sinon ma limite va pas marcher. C'était bien plus horrible que ça. La constante que je devais mettre ici, c'était du 1 moins, et c'était du 6 moins 3 racine de 3. Non, c'est en bas. Donc c'est du 1 moins pi sur 6 moins 3 racine de 3x. Ah, c'est ça qui doit marcher si je me suis pas trompé. Ah, qui vaut ça. Ah, si je remplace ça. Donc si je remplace par cette expression-là. Donc j'ai dit que je mettais du pi sur 6 moins 3 racine de 3 x, ce qui me fait du 1 moins pi sur 6 moins 3 racine de 3 pi sur 6, ce qui me fait du 1 moins pi, non, les pi simplifient, c'est tout le but. C'est que ça me fait du 1 sur 1 moins 1 moins racine de 3 sur 2 en termes de calcul. Et ça, si je mets tout au même dénominateur, le bon dénominateur, ça va me faire... Non, il faut que je le fasse en deux temps pour pas faire de bêtises. Ça me fait du 2 moins racine de 3 et j'ai un 2 qui va monter en haut. J'ai un 1 devant. Et ça, ça va me faire du 2 moins racine de 3 moins 2 sur 2 moins racine de 3. Ça tombe juste cette horreur si je compense. Ça m'étonnerait que ça tombe juste. J'ai dû... Alors ça veut pas tomber juste vu que c'est négatif, mais je vois pas où j'ai fait mon erreur de calcul. J'ai une erreur de calcul qui traîne, mais je sais pas pourquoi vu que j'ai un résultat qui est négatif. Sachant que je veux que ça tende vers racine de 3 sur 2, c'est pas l'histoire des racines au dénominateur. Je peux les faire sauter en multipliant par 2 plus racine de 3. C'est l'histoire du signe, c'est ce moins racine de 3 au numérateur qui me gêne. Il y a une erreur de calcul, mais je la vois pas. J'ai voulu faire ce calcul rapidement, c'est peut-être ça l'erreur. Je voulais poser que ma fonction s'écrive... Si je fais juste ça et je veux que ce soit racine de 3 sur 2, si je veux pas faire de bêtises, j'avais du pi sur ax qui devait valoir 1 moins racine de 3 sur 2. J'avais donc... mais x vaut pi sur 6, donc c'est pas ça que je veux remplacer. Si je remplace ça par pi sur 6, ça fait 6 sur a qui vaut 2 moins racine de 3 sur 2. Ce qui me faisait que a... C'était, si je fais mon produit en croix, ça faisait du 12 sur 2 moins racine de 3, c'était ça le... Donc je m'étais trompé tout à l'heure dans mon A, j'ai pas le même A ici, c'était ça qui pose problème. Donc j'ai pas encore reprolongé la fonction comme il faut. J'aurais pas dû prendre cos, j'aurais dû prendre sin, c'était ce qui simplifiait tout. Donc c'est pas moins ça. Je l'ai écrit comment là en bas? Donc ça ferait du pi 2 moins racine de 3 sur 12x.
Voilà, c'est celle-là qui doit être la bonne expression, je suis désolé. Alors, je vais essayer de la recopier plus bas pour pas me tromper en la recopiant une énième fois. Non, c'est là. Contrôle C. Donc si maintenant dans la limite j'injecte la bonne expression c'est 1 moins je peux pas gommer une zone plus large. Ah, si je fais sélectionner, supprimer, je peux. Parfait. Donc j'ai dit que ça faisait du 1 moins pi 2 moins racine de 3 sur 12 pi sur 6. Ça me fait du 1 moins 2 moins racine de 3 sur 2. Ce qui me fait, en mettant tout au même dénominateur, du 2 moins, et là ça marche beaucoup mieux, moins racine de 3 sur 2. Ce qui fait bien du racine de 3 sur 2. Et d'un seul coup, on a bien que, vu que j'ai bien que d'un côté la limite fait racine de 3 sur 2 et de l'autre aussi, f qui est continue en pi sur 6. Donc f continue sur r. Bon, mon exemple marchait mal en pi sur 6. C'est parce que j'ai voulu me compliquer la vie à non pas juste faire une fonction continue, mais faire ce qu'on appelle une fonction de répartition. Donc une fonction qui en plus est strictement croissante sur r, et qui en plus a pour limite 0 en moins l'infini et 1 en plus l'infini. On verra certainement plus tard. J'ai pas envie de m'embêter à faire les limites ou à faire la croissance, on peut vraiment le prouver, ça pose pas le moindre problème. Mais ce qui m'intéressait, c'était juste de vous faire comprendre qu'on ne peut pas établir la continuité tant qu'on n'a pas fait les limites au bord. Et la preuve, comme j'ai dû bidouiller pour ma limite en pi sur 6, vous voyez bien que je pouvais pas avoir continuité en pi sur 6, à moins de poser la bonne constante pour que ça se relie comme il faut. Voilà. Donc si jamais vous avez une fonction qui a deux expressions sur deux intervalles différents et qu'on vous demande la continuité sur R tout entier, il faudra regarder les limites au niveau de la jonction pour être sûr que c'est bien continu au niveau de la jonction. C'est pas dans l'air du temps. C'est plutôt pour quand on aura les variables aléatoires continues, mais autant qu'on en ait parlé tout de suite au moment de la continuité, vu que la question s'est posée hier. Bon, moralement, c'est plus des prolongements par continuité sur lesquels on tombera, nous, pour le moment, que ce genre de choses, mais au moins, on en a fait un exemple. Alors, justement, on avait fini le cours, on va continuer à avancer sur le cours et à avancer sur les propriétés du cours. On avait fini le cours vendredi sur la notion de limite. On avait fait toutes les définitions lourdes de limite. On avait fait un ou deux exos pour montrer à quoi ça servait. On va parler d'une dernière notion qu'on n'a pas encore vue, pas très très importante, mais dont il faut avoir entendu parler. Même si ce vocabulaire-là, vous l'avez déjà pour les suites. On va parler de notion de borne supérieure, de borne inférieure et de théorème, entre guillemets, de la borne supérieure et de la borne inférieure, mais on n'aura pas besoin de parler de théorème, c'est juste quelque chose qui va nous servir tout le temps. Alors, on va changer un peu de notion, même si vous avez déjà vu la notion sur les suites. C'est quoi une suite bornée? Louis et Cassiopée, par exemple. Alors c'est une suite pour laquelle du coup on va pouvoir dire pour tout n, un est compris entre m et grand M. Ça c'est pour une suite. En fait, ce qu'on définit ici en définition 15, une suite bornée en fait c'est l'ensemble des valeurs que prend la suite qui est bornée. C'est-à-dire que ce qu'on définit c'est quoi un ensemble borné? C'est une partie de réel. C'est une partie des réels, c'est-à-dire que quand on parle d'une suite bornée, en fait on parle de l'ensemble des valeurs de un pour n appartenant à n.
tels que cet ensemble de valeurs possède un minorant et un majorant. Donc une partie est dite majorée ou minorée s'il existe un m tel que pour tous les x appartenant à l'ensemble, x est plus petit que m ou x est plus grand que m. Donc c'est-à-dire que dire qu'une suite est bornée, c'est dire que c'est quoi un élément de cette suite? C'est un élément tel que bah, pour tout n appartenant à n, un je sais qu'il a un minorant et je sais qu'il a un majorant. Ce serait ça une suite bornée. Donc on définit juste la notion d'un ensemble majoré et minoré. Bon, ça, c'est pas très important et vous connaissez déjà plus ou moins le concept. Ce qui est nouveau, c'est ça. Alors, il faut quand même se rendre compte de quelque chose. Pour nous, ça va pas trop nous gêner. Mais si on prend maintenant une partie qui est non vide, alors le non vide, c'est juste pour pas raconter des bêtises, et qui est majorée ou minorée, alors si elle est majorée, alors elle possède ce qu'on appelle un plus petit majorant, qu'on appelle la borne supérieure. Et si elle est minorée, elle possède un plus grand majorant qui est la notion de borne inférieure. Attention, cette notion de borne supérieure et de borne inférieure, c'est une notion plus fine, plus riche que la notion de maximum ou de minimum. C'est-à-dire que si l'ensemble admet un maximum ou admet un minimum, alors la borne supérieure, c'est le maximum ou c'est le minimum. Mais certaines suites, certaines parties, possède une borne inférieure sans avoir de minimum. Typiquement, si je vous parle de cette partie-là, A, ce serait l'ensemble des éléments qui s'écrivent 1 sur n. Je suis obligé de mettre avec n dans n étoiles. Donc c'est bien clairement l'ensemble qui contient les nombres 1, puis 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord que cet ensemble il est infini, mais il contient tous les nombres qui s'écrivent 1 sur quelque chose? Cet ensemble, c'est une partie de réel. Et est-ce qu'on est bien tous d'accord que cet ensemble A, il est minoré? L'ensemble A, il est clairement minoré par quel nombre? Ça n'a pas de sens de dire qu'il est minoré par 1 sur n, sachant que l'ensemble dépend de n. Alors, je vais vous dire un truc très bête, mais il est minoré par moins 10 000. Que vous êtes tous d'accord que l'ensemble des nombres que j'ai mis dedans sont positifs. Donc cet ensemble est clairement minoré par moins 10 000. C'est un très mauvais minorant que j'ai trouvé. Quel serait le meilleur minorant? Alors ça, c'est le minorant logique que vous vous trouvez, mais c'est justement ce qu'on parle depuis un moment quand on parle du théorème de la limite monotone, et c'est pour ça que je parle de cette notion de borne sup et de borne inférieure. C'est que le meilleur minorant, c'est 0. Elle est aussi clairement minorée, cette partie, par 0. Mais pourquoi est-ce que c'est le meilleur minorant 0? Bah parce que si vous me prenez... on sait très bien que 1 sur n, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, pardon, plus l'infini, on sait tous que ce nombre-là tend vers 0. Avec les définitions qu'on a vues vendredi, ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout N supérieur à N epsilon, UN est plus petite et comprise entre, vu qu'elle est décroissante cette suite, je peux même écrire que UN est compris entre 0 et epsilon. Ce qui veut dire que je suis en train d'écrire que 1 sur N peut être plus petit que epsilon. Donc je suis en train de dire que, imaginons que je veux trouver un minorant. Donc pour trouver que c'est le plus petit des, pour trouver que c'est le plus grand des minorants, comment je peux prouver que c'est le plus grand des minorants? Bah je dis, je prends un autre nombre strictement plus grand que 0, appelons-le epsilon par exemple, et il faut que je montre que ce n'est pas un minorant. Donc si je prends, donc ce que ça me permet de dire, c'est que si je prends quel que soit epsilon strictement positif, cette définition de la limite me dit que epsilon n'est pas un minorant. De 1 sur n. Vous êtes bien d'accord que ça, la définition de limite me justifie ça. Ce qui dit bien que 0 est le plus grand des minorants, donc c'est la borne inférieure de cet ensemble, ou la borne inférieure de cette suite. Par contre, est-ce que 0 est dans mon ensemble? Clairement, 0 ne peut pas s'écrire comme 1 sur quelque chose, avec quelque chose qui serait un entier. Par contre, donc soyons clairs, 0 est la borne inférieure de A, mais n'est pas
un minimum. Donc en fait, c'est ça le but. Une borne inférieure ou une borne supérieure, c'est quelque chose. Bah, du coup, une borne inférieure, ça minore, une borne supérieure, ça major. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur la notion que c'est une valeur qui est collée à l'ensemble, mais qui n'est pas forcément dans l'ensemble? C'est un peu ça vraiment le concept. Amélie? Bah, si j'écris que ma suite tend vers 0, est-ce que tu es d'accord que ce que je vais encadrer ici, ça c'est la définition de la limite. C'est ce qu'on a vu vendredi. Bah, donc je viens d'écrire ici que je peux, quel que soit epsilon strictement positif, ce serait quoi un meilleur minorant que 0? Ce serait un nombre strictement positif. Je choisis de l'appeler epsilon. Est-ce que toutes les valeurs de ma suite sont au-dessus de epsilon? C'est ça qui définit un minorant. Par définition de la limite, je viens de prouver que quel que soit epsilon, je peux trouver un rang n à partir duquel c'est plus vérifié. Donc ce n'est plus un minorant. Donc le meilleur minorant, c'était 0. Donc c'est la borne inférieure. Mais comme 0 n'est pas dans l'ensemble, ce n'est pas un minimum. Donc en fait, ce qu'il faut juste comprendre et juste retenir, c'est que la notion de borne inférieure, c'est vraiment ce qui colle à l'ensemble des valeurs sans forcément être dans l'ensemble. Si l'ensemble admet un minimum, clairement la borne inférieure sera le minimum. Mais comme là, par exemple, et c'est le bon cas, le cas simple à voir, si on a quelque chose qui est décroissant sans atteindre sa limite, ce qui nous arrive très très souvent, alors entre guillemets, ce qui sera la borne inférieure, ce sera la fameuse limite. Mais là, je vous fais les choses dans le mauvais sens, enfin plutôt par rapport à ce qu'on a et ce qu'on va vouloir faire de cette borne supérieure ou de cette borne inférieure. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'autre sens. C'est quand on ne connaît pas la limite, comment trouver la limite? Bah, la limite d'une suite décroissante par le théorème de la limite monotone, si une suite est décroissante et minorée, encore une fois, cette suite, j'aurais pu dire, elle était minorée par moins 10 000. Elle n'aurait jamais pu aller converger vers moins 10 000. Donc c'est pas, ça dépend pas du minorant que vous trouvez, quelle va être la limite d'une suite décroissante minorée. Et en fait, c'est notre nouvelle version du théorème de la limite monotone. Ça nous donnera pas la valeur de la limite, mais on sait quelque chose. Vers quelle valeur va tendre une suite décroissante minorée? Bah, vers sa borne inférieure, en fait. Elle va tendre vers son meilleur minorant, entre guillemets. Et donc, quand vous minorez votre suite, vous n'avez aucune information pour savoir si c'est le meilleur minorant que vous avez trouvé ou non. Et donc, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis que le théorème de la limite monotone est un théorème non constructif qui ne vous donne pas la valeur de la limite, ce que vous confondez vous parfois. Vous pensez que si vous minorez par 0, votre suite tend vers 0, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Elle va tendre vers la borne inférieure, ou dans l'autre sens, la borne supérieure, mais on ne connaît pas la valeur de cette borne inférieure, de cette borne supérieure. Il faut faire une étude en plus pour la trouver. Bon, juste pour être sûr que cette notion soit comprise, on va faire un petit exo pour essayer de trouver des bornes inférieures et des bornes supérieures. Mais très vite après, on va passer à la suite, hein, parce que c'est pas très très intéressant. Alors, déterminer si les parties suivantes possèdent une borne supérieure, une borne inférieure, et dans le cas où les bornes inférieures ou les bornes supérieures existent, déterminer si ce sont des minimums ou des maximums. Alors tiens, en termes de notation, par exemple pour la partie A, ce qu'on appelle la borne inférieure de A, souvent on la note inf de A, et la borne supérieure de A, on la note sub de A. Et quand c'est un minimum, on remplace ça par min et par max. C'est quoi la borne inférieure de A ici? On va pas y passer 2 heures. C'est moins 1. Allez, on se bouge. La borne supérieure, 3. Est-ce qu'elles sont atteintes, ces valeurs, dans l'ensemble? Oui, donc en fait, c'est un minimum. Et ça, c'est un maximum. Alors, B, c'est l'ensemble des valeurs prises par arc tangente X quand X parcourt R. C'est quoi la borne inférieure de B? Faut connaître votre fonction arc tangente, Matisse. Vous avez concours blanc jeudi, ça va être beau. Noir? Oui. La borne inférieure, c'est moins pi sur 2. Par contre, moins pi sur 2, c'est la limite de la fonction arctangente. Est-ce qu'elle est atteinte? Elle n'est pas atteinte, donc c'est pas un minimum.
La borne supérieure de B, la fonction étant impaire. Tiens, ça a à voir avec un théorème de début d'année. Là, il faudrait étudier la fonction, hein, je ne vais pas le faire. Mais la fonction x carré moins 3x plus 4. Et je l'étudie pour x appartenant à moins 10, 10. Est-ce qu'elle va posséder une borne inférieure et une borne supérieure? Et en plus, est-ce qu'elle va posséder un minimum et un maximum? D'après vous, sans faire les... On va pas faire les calculs de la valeur. Mais la question, c'est est-ce que la borne inférieure, est-ce qu'elle existe? Et en plus, est-ce que c'est un minimum? Et pareil pour le maximum. Kaoutar? Tout à fait d'accord avec toi. Justement, c'est une propriété de cours de début d'année. Ici, on a limité un segment, le segment moins 10-10. Voilà, ça a un peu à voir avec ce concept-là, mais si vous étudiez une fonction continue sur un segment, donc faites-moi un tracé d'une fonction continue qui existe partout, sur un segment. On est sûr et certain qu'elle va admettre un minimum et un maximum sur ce segment. C'est pas possible. Si vous voulez qu'elle ait pas de minimum ou pas de maximum, vous êtes obligé de la faire exploser, cette fonction. Vous êtes d'accord? Soit vers moins l'infini, soit vers plus l'infini. Si elle explose, c'est qu'elle n'est pas définie en ce point. Donc c'est qu'elle n'est pas définie sur le segment. Donc ça, c'est une propriété que je me permets de vous redonner, mais qui est très importante. Enfin, elle est importante d'un point de vue théorique. Souvent en pratique, on a une expression, de toute façon, on va vous demander l'étude de la fonction. Donc vous en servez pas, vous en servez rarement, mais elle est très pratique en théorie, cette propriété. C'est que toute fonction... Mais on l'avait mis dans le premier chapitre, enfin, ou dans le chapitre 2, là, celui où on a fait ça. Toute fonction continue sur un segment y est bornée. Ce qui veut dire que, moralement, je peux la traduire mathématiquement, mais si f est continue sur AB, je l'avais peut-être pas écrit comme ça la deuxième version, quel que soit x appartenant à AB, bah en fait on peut dire que f de x est compris entre un petit m et un grand M. Et on peut même rajouter, c'est du zèle ça, mais est-ce que cette borne, du coup, puisqu'elle a un minimum et un maximum, enfin le minimum et le maximum sont atteints, c'est-à-dire la borne inférieure et la borne supérieure sont atteintes. Donc elle y est bornée, et on peut rajouter ici, et atteint ses bornes. C'est-à-dire qu'il existe un certain x0 qui vaut petit m et un certain x1 qui vaut grand M. F de x1 qui vaut grand M. Ah, ouais, donc on va pas faire les calculs, mais c'est... La partie D, c'est l'exemple que je vous ai donné juste au-dessus. C'est l'ensemble des parties 1 sur n. Donc clairement, pour la partie D, on a clairement que 1 de D, on l'a justifié, ça fait 0. Ce serait quoi la borne? Est-ce que la borne supérieure de D, on la connaît pour la partie des 1 sur n? Oui, la borne supérieure c'est 1, et même plus qu'une borne supérieure, c'est dans ce cas-ci un maximum vu que c'est atteint. Tout à fait. Donc vous voyez, enfin, cette notion de borne supérieure, borne inférieure, elle n'est pas très très intéressante. Enfin, elle n'est pas très très compliquée. Je vous ai donné un exemple un peu plus dur pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus lourd. C'est beaucoup plus compliqué, ça m'intéresse pas trop, mais là ici je fais varier n et m, deux paramètres, donc on est déjà hors programme entre guillemets parce que c'est pas un ensemble de réels, c'est un ensemble défini par rapport à deux réels. Mais là, le nombre n sur mn plus 1 c'est quand même un réel, et je veux savoir si ça a une borne inférieure ou une borne supérieure. Alors c'est juste parce que j'ai posé e avec les éléments. Je me suis arrangé pour que dans E ce soit des éléments dans n étoiles, et n ce soit, enfin, et f ce soit les mêmes, la même fonction mais avec des éléments dans n. Et ce qui change, c'est juste ça. Est-ce que cet ensemble E,
Est-ce que cet ensemble E admet une borne supérieure? Ethan? Je suis pas d'accord. Alors justement, s'ils tendent tous les deux vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça. Donc, enfin, justement. Non, non, ça, c'est, oui, est-ce que ça admet une borne supérieure? Oui, mais c'est un peu technique à voir vu qu'il y a deux choses qui varient, noix. Oui, la borne supérieure, ça va être 1. Est-ce que sub 2 existe? Oui. Sub 2 égale 1, comment on peut le voir? Bah, y a plusieurs façons de le voir, pas trop compliquées. Qu'au moins, on peut atteindre 1 et se rapprocher de 1 comme on veut. Si je fixe, plutôt que d'avoir deux choses qui varient, je vous l'ai déjà dit en maths, deux choses qui varient, c'est quelque chose de compliqué. Donc moi, je vais fixer m qui vaut 1. Si m vaut 1, ma quantité, ça devient n sur n plus 1. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, oui, à la base, c'est une forme indéterminée, mais au pire, si je prends des équivalents, ça fait du n sur n qui fait 1. Donc cette quantité-là, elle est tout le temps strictement plus petite que 1, parce que le dénominateur est plus grand que le numérateur, mais elle tend clairement vers 1. Donc je peux aller vers 1 aussi proche que je veux. Par contre, je pourrais jamais atteindre 1. Pourquoi je pourrais jamais atteindre 1? Parce que m, je sais qu'il est supérieur ou égal à 1. Je sais donc que mn, c'est supérieur ou égal à n en multipliant par n. Parce que n aussi est supérieur ou égal à 1, j'ai pas de problème à faire ça. Donc je sais notamment que mn plus 1 est supérieur ou égal à n. J'ai ajouté 1 que à gauche. Hein. Enfin, c'est supérieur ou égal à n plus 1 qui est lui-même supérieur ou égal à n. Et donc ça, ça m'assure, si je tente de diviser tout par 1 sur mn plus 1, ma quantité n sur mn plus 1, elle est toujours plus petite que 1. Donc je sais que la borne supérieure de cet ensemble va être 1. Pareil, comme tout est positif, strictement, la borne inférieure de mon ensemble, comme on l'a dit avec Ethan, ça va être 0. Si par exemple je pose à l'inverse ici, si n est égal à 1, ma quantité ça devient 1 sur m plus 1. Bah, dans ce cas-là, si je fais tendre m vers plus l'infini, ma quantité va bien tendre vers 0. Donc ma borne inférieure de cet ensemble, ça va être 0. Tout étant positif, puisqu'on manipule que des entiers positifs, c'est forcément positif, donc on ne peut pas aller dans les négatifs. Donc c'est clairement, si on peut tendre vers ça, sans jamais l'atteindre, vu que tous les entiers sont non nuls, c'est une borne inférieure qui n'est pas un minimum. Justement, et c'est juste pour vous dire ça que j'arrête là pour l'ensemble F, je remonte. L'ensemble F où j'autorise mes deux nombres à valoir 0, ça ne m'intéresse pas trop, mais maintenant... La borne supérieure, il n'y en a plus, vu que ça peut aller vers plus l'infini, vu que maintenant je peux poser là-dedans m qui vaut 0, vu que j'ai autorisé m à pouvoir valoir 0. Si j'autorise m qui vaut 0, mon nombre il s'écrit n sur 1, et n sur 1, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc dans ce deuxième ensemble, il n'y a pas de borne supérieure, et par contre maintenant la borne inférieure, ça reste 0, mais la borne inférieure, elle est simplement atteinte en injectant n égale 0, donc dans ce cas-ci, la borne inférieure, c'est un minimum. Je m'en fous réellement de cette notion de borne inférieure, de borne supérieure, je voulais juste que vous l'ayez comprise et que vous voyez la différence avec la notion de minimum. Ce qui m'intéresse, c'est le théorème de la limite monotone, qu'on a déjà vu, mais qu'on va préciser. Alors, avant de parler de ça, je parle de ça, et après je reparle du théorème de la limite, je reparle du reste. Hop. Moralement, on le connaît déjà, le théorème de la limite monotone. Ce qu'on rajoute juste, c'est cette phrase-là. Ce qu'on rajoute juste, c'est que L, c'est la borne supérieure ou la borne inférieure de l'ensemble des valeurs de la suite. La seule chose que ça nous apporte, c'est faites attention quand vous minorez, ça ne tend pas forcément vers ça.
Cette deuxième partie du théorème de la limite monotone ne sert strictement à rien. Montrer que toute suite croissante et non majorée diverge vers plus l'infini ou diverge vers moins l'infini, c'est la définition de la limite. Si vous arrivez à me montrer qu'une suite est non majorée, ça veut dire quoi qu'une suite est non majorée? Ça veut dire que quel que soit le majorant M, il existe un rang N à partir duquel, pour lequel U grand N est plus grand que M. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut juste dire ça, que la suite est non majorée. Quel que soit M, je peux trouver un rang M qui est plus grand que M. Même plus grand que M strictement si je veux. Sauf que ma suite, elle est croissante. C'est marqué ici. Donc si ma suite, elle est croissante, moi, après, il existe N tel que UN est plus grand que M, moi, je peux même écrire que quel que soit N supérieur ou égal à grand N, U petit N est plus grand que M. Et ça, c'est la définition de la suite tend vers plus l'infini. Donc en fait, appliquer le théorème de la limite monotone pour une suite qui tend vers plus l'infini, c'est appliquer la définition de la limite, c'est tout. Mais la première partie, on le connaît déjà, c'est juste qu'on rajoute que c'est la notion, ça tend vers sa borne supérieure ou sa borne inférieure. Alors, des petites choses que j'ai cachées aussi dans ce chapitre et qu'il faut parler. On l'a pas vraiment écrit depuis le début de l'année. Peut-être si, quand j'ai parlé de la fonction valeur absolue, peut-être que j'en ai parlé, mais maintenant on va s'en servir une ou deux fois. C'est souvent très théorique, mais une propriété de la définition, c'est sûr qu'on l'a vu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'inégalité triangulaire. Vous devez savoir que si vous cherchez à faire une valeur absolue d'une somme, ce qui revient moralement à faire un tracé ou essayer de... moralement, si la distance qui va de ici à ici, on peut l'appeler ça x en 3D, et c'est l'autre y, en gros ça, en termes vectoriels, la diagonale c'est x plus y, c'est mal dit mais c'est ça l'idée. La valeur absolue de x plus y, c'est toujours plus petit que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, le chemin le plus gros... plus rapide pour aller à deux points, c'est la ligne droite, c'est pas de passer par les côtés. Mais il faut connaître cette inégalité, elle est utile d'un point de vue théorique et on va s'en servir sur des intégrales notamment. Ok, à quoi ça sert ça aussi? Ça sert... Enfin, c'est pas vraiment la notion de valeur, enfin, de forcément d'inégalité triangulaire, mais la notion de valeur absolue nous sert à faire une variante du théorème des gendarmes. Si vous devez montrer qu'une suite tend vers 0, il suffit de montrer que sa valeur absolue est majorée par quelque chose qui tend vers 0. Vu que la valeur absolue d'une suite est toujours positive, si vous montrez que c'est plus petit qu'une quantité Vn et que cette quantité Vn tend vers 0, le théorème des gendarmes assure que la valeur absolue de la suite Un tend vers 0, donc que la suite Un tend vers 0. C'est pas quelque chose de très important, mais si on vous fait travailler des choses positives, il suffit de trouver un majorant pour qu'une quantité tende vers 0. On l'a déjà vu. Je passe pas un temps incroyable là-dessus. Ensuite... qui a à voir avec l'exercice qu'on vient de faire moralement, mais c'est pas la définition de la continuité qui va m'intéresser, c'est plutôt que vous sachiez l'utiliser. Mais moralement, je vous ai donné la définition de limite. J'ai défini ce que ça veut dire qu'une fonction en un point x0 tend vers L. C'est quoi faire la définition d'une fonction continue? Ben, une fonction est continue en x0, c'est un cas particulier de cette notion de limite. La fonction est continue si la limite L particulière, c'est la valeur du nombre f de x0, c'est tout. Donc c'est un cas particulier, la continuité de la notion de limite. C'est si la limite qu'on cherche à atteindre, c'est la valeur de la fonction en ce point-là. Dans ce cas-là, la fonction est continue. Donc je l'ai traduit ici, là, cette définition-là de continuité. Ensuite, pour définir la continuité en un point, on peut aussi définir la continuité à gauche et la continuité à droite. C'est ce qu'on a fait pour nos fameuses fonctions qui se rejoignent là, qui ont deux expressions. Pour qu'elles soient continues en un point, il faut qu'elles soient continues à gauche, puis continues à droite. On l'a vu à travers notre exercice, c'est juste une définition, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. On a parlé du coup de prolongement par continuité. Ça, on l'a déjà vu, cette propriété-là.
On a déjà vu en début d'année, je reparle de ça et de ce point-là aussi, on a parlé de ce que c'est que la dérivabilité. Pour qu'une fonction soit dérivable, il faut que son taux d'accroissement, là que j'ai noté f de x moins f de x0 sur x moins x0, admettre une limite finie L lorsque x tend vers x0. Et dans ce cas-là, ce nombre, c'est le nombre dérivé. J'ai rappelé quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Si une fonction est de classe C1, moralement, alors elle est de classe C0. La réciproque n'est pas vraie. Donc c'est pas continu implique dérivable, c'est dérivable implique continu. Attention à ça, ne faites pas l'erreur dans l'autre sens. On l'a déjà vu en début d'année. On a aussi parlé déjà la semaine dernière du théorème de prolongement C1. Si une fonction est C1 sauf en un point continue en ce point, moralement en général elle ne sera même pas continue en ce point, il faudra faire un prolongement par continuité. Mais une fois que vous avez fait le prolongement par continuité, si la dérivée tend vers une limite finie, si la fonction dérivée tend vers une limite finie, alors cette limite, c'est bien le nombre dérivé de la fonction. Ça marche dans tous les cas où les calculs se passent bien. Si on veut vraiment vous créer une horreur, ça ne marchera pas. Alors typiquement, si je veux vous parler de l'horreur, je ne l'ai pas fait, je pense, à l'époque, c'est cette fonction-là. Cette fonction f, elle est de classe C infini, on va pas s'embêter, elle est de classe C infini sur quel domaine? En appliquant les règles classiques. Je ne vais pas le prouver, mais cette fonction, elle est C infini sur quel domaine? Où est le problème pour cette fonction? Moi, ouais, il est en 0, parce qu'il y a 1 sur x à l'intérieur de cosinus, on est bien d'accord? Donc on ne peut pas injecter 0 là-dedans, partout ailleurs, elle est bien de classe C infini. Vers quoi ça tend f de x quand x tend vers 0? Et comment vous le prouvez, tiens? Cautard? Pourquoi il y aurait un problème en 1? 1 sur 1, ça fait 1, cosinus 1. Déjà, cosinus 1, ça ne fait absolument pas 0, c'est ce que tu as en tête. Et même si ça ferait 0, c'est au numérateur. Donc ça pose pas de problème. Si j'avais divisé par cos, je me créais plein de problèmes. Mais là, je multiplie par cos. Vers quoi va tendre cette fonction? Sans la justification déjà. Quelle va être la valeur de la limite? Et après, si vous avez un argument, pourquoi pas. Mathéo? Ah, il me paraît impossible qu'elle tende vers plus l'infini en 0, cette fonction. Parce que cosinus est compris entre moins 1 et 1, et que je multiplie ça par un x carré. Kautar? Il n'y a absolument pas le choix. On n'a pas le choix. Pourquoi? 1 sur x, juste ce terme en 1 sur x, ça tend vers quoi 1 sur x quand x tend vers 0? Réponse, ça n'a pas de limite. Parce que ça dépend du signe du 0. Ça tend vers plus ou moins l'infini. Donc c'est pas avoir une limite de tendre vers plus ou moins l'infini. Si je précise si on est en 0 plus ou si on est 0 moins, là on a bien une limite. Mais par contre, un cosinus à l'infini, quoi qu'il arrive, est-ce que ça possède une limite, un cosinus à l'infini? Non, ça possède aucune limite. Donc vous ne pouvez pas appliquer vos règles d'opération sur les limites. Donc il est strictement impossible de trouver la limite de cette fonction sans remplacer cos par quelque chose qui possède une limite. Et pour ça, il faut encadrer cos et passer par le théorème des gendarmes. Donc ça, c'est des vieux rappels aussi sur nos méthodes de limite. Mais pour cette limite-là, vous êtes obligé en termes de rédaction de me passer par un théorème d'encadrement. Allons-y. Quel que soit x appartenant à R étoile, cosinus 1 sur x, c'est compris entre moins 1 et 1. Il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, x carré cosinus 1 sur x, c'est compris entre moins x carré et x carré. Je travaille par équivalence. Et j'ai multiplié par x carré qui est bien
positive, donc je ne change pas le sens de mes inégalités. Et maintenant, je peux faire tendre ça hors. Bon, j'allais mettre les deux, mais c'est faire du zèle de mettre les deux, hein, c'est la même chose. Les deux tendent clairement vers 0 quand x tend vers 0. Donc f de x tend vers 0 quand x tend vers 0 par théorème des légendes d'encadrement. Ou des gendarmes, hein, c'est la même chose. Voilà. Alors, donc cette fonction, elle tend vers 0 en 0. Ce qui implique que f est prolongeable par continuité en posant f de 0 égale 0. Est-ce que cette fonction est dérivable en 0? Bah, on l'a revu hier en TD. Il suffit de faire la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Qui revient ici à faire la limite de x carré cos 1 sur x sur x. Je vais pas tout refaire. Ça fait du x cos 1 sur x et je veux faire la limite qui tend vers, quand x tend vers 0. Exactement comme ce qu'on a fait juste avant pour la limite de f. Ça va tendre vers 0. Par théorème des gendarmes, on est bien d'accord? C'est le même concept, au lieu d'encadrer par x carré moins x carré, j'encadre par x et moins x, ça pose pas la moindre difficulté. Donc, f est dérivable. T'as une question, Amélie? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Amélie pourquoi on pouvait pas utiliser les DL? Voilà, c'est exactement la même chose, c'est parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'expliquais que le 1 sur x au milieu, il tend vers plus ou moins l'infini. Si on avait été, par exemple, si je demande la limite de ça en plus l'infini maintenant. Si je demande, alors ça c'est, par contre c'est une bonne question, si je demande la limite de cette quantité-là en plus l'infini, maintenant 1 sur x ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, on est bien au voisinage de 0 pour le cosinus, je peux faire un développement limité. D'où l'idée de comprendre cette notion de voisinage des points de vos fonctions. Et pourquoi j'essaye de vous expliquer que c'est le, par exemple, c'est le ln en 1 qu'on contrôle par développement limité. Donc cette fonction est bien délivrable en 0. La question c'est, est-ce que j'aurais pu appliquer le théorème de prolongement C1 à cette horreur? Bah, dérivons la fonction. La dérivée f' de x, déjà il y a une dérivée de produit, c'est-à-dire qu'il y a du 2x cosinus 1 sur x. Et ensuite il y avait x carré fois la dérivée de la composée, la dérivée de cosinus 1 sur x. La dérivée de cosinus 1 sur x c'est du moins 1 sur x carré, dérivée de cos c'est moins sin, moins sinus 1 sur x. J'étais un peu vite pour ce calcul de dérivée, mais je vous assure que c'est ça la dérivée de cette fonction. Ce qui fait que si j'avais fait ma dérivée, ça fait ceci. Et là, on a un gros problème. C'est-à-dire que ce terme-là dans la dérivée, exactement comme le taux d'accroissement qui est ici, ce terme-là, quand x tend vers 0, ça va tendre clairement vers 0 par théorème des gendarmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, encore une fois, si x tend vers 0, 1 sur x, ça tend vers plus ou moins l'infini, ce qui va faire que sinus 1 sur x oscille entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que ça prend toutes les valeurs continues entre moins 1 et 1. Ça n'a pas de limite. Donc cette fonction f' de x n'a pas de limite en 0. Ce qui montre bien que le théorème de prolongement C1, c'est un si alors. Si la dérivée a une limite, alors la fonction est dérivable et le nombre dérivé, on a la valeur. Mais là, on a une fonction qui vérifie que le nombre dérivé existe,
mais pour lequel la fonction dérivée n'a pas de limite. Donc c'est un cas d'école de ce qui ne marche pas avec le théorème de prolongement C1. Bon, moralement, il marche dans 99% des situations, hein. J'ai fait exprès de créer une fonction horrible pour que ça ne marche pas. Ah, ok. Bon, voilà pour le cas un peu pathologique du théorème de prolongement C1. On va pouvoir enfin avancer sur les nouveaux résultats que je voulais voir aujourd'hui. Et ça, ce que je veux voir aujourd'hui, ça, c'est juste pour que vous ayez le temps de digérer ça. Pour non pas le DS du coup, enfin, pas pour le concours blanc, mais on a DS juste après. Et je veux pouvoir mettre de l'analyse sur le théorème des accroissements finis, donc il faut qu'on ait vu vite le théorème des accroissements finis. Donc, parlons du théorème des accroissements finis. Alors, avant de parler du théorème des accroissements finis, on va parler de la variante qui sert à rien. Alors, elle sert à rien, mais c'est comme ça qu'on a trouvé et prouvé le théorème des accroissements finis. Donc, historiquement, elle a du sens. C'est ce qu'on appelle le théorème de Rolle. Alors, le théorème de Rolle, il dit quelque chose d'assez bête, mais qu'il faut comprendre. Et ces deux théorèmes, alors sachez juste une chose, si la récurrence est aux profs de terminale en termes de rédaction, quelque chose que les profs de terminale essayent de rédiger de façon correcte et dont on attend une rédaction ultra précise, le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis, ce sont les deux théorèmes où on va vous massacrer sur les hypothèses. C'est-à-dire que pour des profs de prépa, nous on l'a subi quand on était jeunes. Si on sort pas les hypothèses à la virgule près, on se faisait allumer. Donc maintenant, on attend les hypothèses précises parce qu'elles sont précises et du coup, c'est un des rares théorèmes où on peut vraiment regarder les hypothèses au détail. Donc, qu'est-ce qu'il faut supposer pour appliquer ce théorème? On va prendre une fonction qui est continue sur un segment. On va supposer en plus que cette fonction est dérivable, on parle même pas de C1. Sur l'ouvert AB. Alors ça, c'est ce qu'on aura pour le théorème des accroissements finis. Et pour le théorème de Rolle, on va rajouter une troisième hypothèse. C'est on va rajouter qu'on a même valeur au départ et à l'arrivée. Si on fait ça, alors je vais vous faire des graphes et vous allez me dire ce qui se passe. Imaginons que je vous prenne n'importe quelle fonction. Bah tiens, je vais plutôt placer A ici, B ici. Et je fais n'importe quel graphe entre les deux. Continue et C1 entre les deux. C'est-à-dire que je veux que je lève pas mon crayon et je veux pas faire d'angle dans ma fonction. Donc je fais forcément un truc qui fait, je sais pas. J'ai forcément rejoint le point de départ et le point d'arrivée et j'ai forcément fait un tracé lisse qui n'a pas d'angle et qui n'a pas levé le crayon. Ben, ce que dit ce théorème, c'est quelque chose de très très bête, c'est qu'il y a au moins un point, voire plusieurs, pour lesquels la dérivée va s'annuler. Ici, par exemple, dans mon graphe, j'en ai 5. Essayez de me faire un tracé où vous partez de ce point-là, partez de ce point-là, et n'essayez pas de faire de point où la fonction de la dérivée s'annule. C'est très 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 dur. Alors, vous allez dire, bah, c'est facile, je vais faire tout plat. Bah, si vous faites tout plat, l'ensemble des points ont la dérivée qui s'annule. Donc dès que vous voulez monter, bah, si vous voulez retomber sur le point qui est là-bas, sans lever le crayon, il va falloir redescendre. La seule solution, si vous voulez pas avoir de point qui s'annule, c'est de faire un angle. Mais si vous faites un angle, instantanément, votre fonction, elle n'est plus dérivable. Donc ce théorème de Rolle, il est très bête, mais très simple, mais très efficace. Si une fonction vérifie ces trois hypothèses, si, alors il existe un point C appartenant à l'ouvert AB tel que f' de C est égal à 0. C'est ça le théorème de Rolle. Bon, ce théorème est pas très très utile parce qu'il a une hypothèse qui est très très lourde. L'hypothèse très très lourde, c'est celle-ci. Supposez que si vous prenez une fonction sur un segment, elle a la même valeur au départ et à l'arrivée. Mais ce théorème a permis de construire un deuxième théorème qui est très 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 puissant en analyse réelle,
qui s'appelle le théorème des accroissements finis. Et on va le voir, le théorème des accroissements finis. La preuve est hors programme, mais je vais quand même la faire pour que vous compreniez l'intérêt du théorème de Rolle. Et pourquoi les hypothèses du théorème des accroissements finis sont si liées au théorème de Rolle. Parce que ce théorème-là, il est d'une puissance et d'une utilité assez incroyable. Que dit le théorème des accroissements finis? Alors, on va même séparer ce qu'on va appeler théorème des accroissements finis. Il y en a plusieurs, en fait, des théorèmes des accroissements finis. Du coup, je vais plutôt parler d'égalité des accroissements finis ou d'inégalité des accroissements finis. Donc, que dit l'égalité des accroissements finis? Bah, en fait, on va diminuer un tout petit peu les hypothèses. Si une fonction est continue, et continue sur un segment AB. Si f est dérivable sur AB, sur AB ouvert. Alors on va écrire ce que ça fait après, mais moralement j'ai enlevé une hypothèse. J'ai enlevé l'hypothèse de f de a égale f de b. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux vouloir dire? Imaginez, j'ai une fonction qui est là en A. Je vais aller à une fonction qui est ici en B. Et je peux faire n'importe quel graphe régulier entre les deux. Par exemple, je vais vous faire ça comme graphe. Alors oui, ça va s'annuler quelque part, mais je sais pas, je vous fais ça. Alors là, il y a encore des points où la dérivée s'annule. Mais est-ce que vous êtes d'accord que je peux aussi vous faire ce graphe-là? Et ce graphe-là, il n'y a aucun point où la dérivée s'annule. Donc, ce n'est pas la même conclusion qu'on peut tirer d'une fonction qui monte ou qui descend. Par contre, en fait, de ce graphe-là, je peux faire quelque chose qui est assez naturel et qui est de... pencher le dessin. Alors, je vais faire quelque chose qui va vous paraître très bête, mais si je fais un graphe qui est comme ça, ce qui se passe, c'est que mon f de a et mon f de b, je vais le mettre au même niveau. Et donc, ce que faisait mon théorème de Rolle, c'est-à-dire que si je fais un graphe comme ça, il y avait des points qui annulaient la dérivée. Vous êtes d'accord avec ce principe-là? Donc, en fait, si je repars dans le graphe inverse, ce que ça dit, c'est que j'aurai forcément des points qui suivent la pente globale de ma fonction. C'est-à-dire que ces points-là sont parallèles à la pente globale du segment. Et ce que ça permet de dire, et c'est pour ça qu'on appelle ça le théorème des accroissements finis, c'est que f de l'accroissement de f entre b et a, f de b moins f de a, bah ça veut dire qu'il existe un point c appartenant à l'ouvert AB, tel que ça, c'est f' de c fois l'écart b moins a. Moralement, d'un point de vue physique, alors c'est pour faire comprendre les choses, mais d'un point de vue physique, c'est une notion complètement logique. Si la fonction est une position, la dérivée de la fonction d'un point de vue physique, c'est quoi? On en a déjà parlé. C'est sa vitesse. Ce que ça veut dire, c'est que vos nouvelles positions dépendent des positions initiales B et A, multiplié par la vitesse que vous avez prise entre les deux. Oui, forcément. Enfin, c'est un peu comme ça. Comment vous calculez votre vitesse? Ce qui revient à la même chose. Comment vous calculez la vitesse moyenne que vous avez parcourue entre deux points? Bah, vous faites position au début moins l'arrivée divisé par le temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous faites distance parcourue au total moins distance initiale sur temps final sur temps initial. Ce qui revient moralement à la même chose que cette formule-là. Donc ce que dit ce théorème, c'est qu'on peut contrôler l'accroissement de la fonction par rapport à la dérivée. Ce qui revient d'une certaine façon à primitiver les inégalités. Moralement, c'est un peu ça l'idée. On savait déjà primitiver des inégalités, ça va nous donner un deuxième outil pour primitiver des inégalités. Il y a un défaut. Alors, il est quand même très très puissant ce théorème. On va voir qu'on s'y applique chaque fois qu'on veut s'en servir.
Le problème de ce théorème, c'est il existe C appartenant à AB ouvert. Regardez mon graphe, par exemple ici, C, dans mon graphe ici, C n'est même pas unique. On ne sait même pas où il est, C. C'est-à-dire que c'est un théorème, mais ce théorème n'est pas constructif, on ne connaît pas le point C. Comme il n'est pas constructif, ce théorème, on va voir qu'on va quand même partir de lui souvent parce qu'on sait faire de très belles choses par amorce déjà et que ça va beaucoup nous aider. Mais moralement, ce théorème a une version où on oublie un peu le point C et où on se concentre juste sur les valeurs de la dérivée, la gamme de valeurs de la dérivée. Et c'est ce qu'on appelle plutôt l'inégalité des accroissements finis. Donc, que dit l'inégalité des accroissements finis? Et il y en a une variante. Et en fait, nous, la variante, on va jamais, on va toujours repartir de l'égalité des accroissements finis pour la faire. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'inégalité des accroissements finis dans certaines situations. On va voir que dans certaines situations, on n'aura même pas le choix que d'appliquer directement ce théorème-là. C'est si une fonction est continue sur AB et dérivable sur l'ouvert AB. Donc, encore une fois, si je fais ça, c'est si f continue sur AB, dérivable sur l'ouvert AB. Si je veux me débarrasser du point C, je vais me rajouter une hypothèse. Et si de plus, quel que soit t appartenant à l'ouvert AB, j'ai une information sur la dérivée, par exemple que la dérivée est plus petite qu'une certaine constante m, moralement, avec mon histoire de vitesse et de position, ça revient à, si vous savez que vous roulez à moins de 130 km/h et que vous partez maintenant dans n'importe quelle direction donnée, je m'en fiche royalement, vous savez que dans 1h20, vous ne serez pas à plus de autant de distance. Vous savez que si vous contrôlez la vitesse maximale et minimale, entre guillemets aussi, hein, bah vous pouvez contrôler l'écart de position que vous allez connaître à la fin. Bah si on sait ça, alors quel que soit x et y appartenant à AB fermé tous les deux, bah je sais que la distance de f de x moins f de y, c'est plus petit que m fois la distance de x à y. C'est ça l'inégalité des accroissements finis. Alors ça, c'est très 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 utile quand on ne connaît pas l'ordre des bornes. On verra que pour certaines suites, on a obligation de maîtriser l'inégalité des accroissements finis. En général, pour les inégalités sur les fonctions, on va plutôt partir de l'égalité et on pourra tout faire à partir de l'égalité. Mais pour les suites, où en général, si on ne sait pas si un plus 1 est plus grand que un ou pas, si on n'a pas la monotonie, on va être obligé d'utiliser l'inégalité des accroissements finis. Ici, je voulais écrire avec une valeur absolue, c'est ce qu'on va utiliser 99% du temps. Je peux remplacer l'hypothèse, il manque une virgule ici, mais je peux remplacer l'hypothèse la valeur absolue est plus petite que m par la dérivée est comprise entre un nombre petit m et grand m. Et dans ce cas-là, ça permet de vérifier ça. Alors, il manque quelque chose dans cette variante, je suis désolé, j'ai oublié de marquer quelque chose. C'est pour tout x, y avec x plus petit que y. Sinon, j'ai un problème de valeur absolue encore à devoir écrire. Non, j'ai vu comment je l'ai écrit. C'est f de x moins f de y, donc c'est y plus petit que x, pardon. Mais cette variante, on ne va pas s'en servir. Elle est officiellement marquée au programme, mais on va plutôt faire d'autres choses. Alors, comment on peut s'en servir de ce genre de choses? Bah tiens, avant même de faire ça, je vais en faire une autre, l'inégalité. Tiens, ouais, je vais en faire une autre pour donner un premier exemple de comment on peut faire. Imaginons que je vous demande de prouver cette inégalité. On l'a déjà faite au tout début de l'année, prouver cette inégalité. On sait déjà comment faire.
Hugo? Voilà, on fait une étude de fonction en passant tous les membres du même côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais, alors je vais vous donner la deuxième méthode qui est liée au théorème des accroissements finis, mais on va voir que justement c'est un des défauts du théorème des accroissements finis, mais un des défauts pour vous le reconnaître, c'est que pour comprendre la notion du théorème, enfin pour faire apparaître le théorème des accroissements finis, il faut voir un accroissement. Et que par exemple ici, il y a un accroissement mais qui est caché. Et dans beaucoup de situations, les accroissements seront cachés, qu'il faut arriver à les voir. Donc méthode 1, je ne vais pas la refaire, mais on sait déjà faire. On pose f de x qui serait sinus x moins x. Tiens, avant même de passer aux accroissements finis, est-ce que quelqu'un d'autre a une deuxième méthode à proposer qui ne dépend pas des accroissements finis? Kautar? Oui, on l'avait vu par. J'avais oublié ce détail-là. On avait dû le voir par. Alors, elle est concave, la fonction. Mais elle est en dessous de sa tangente et ça permet de voir ça. C'est vrai. On peut le faire par concavité. On l'avait dû le voir. Enfin, je ne sais plus si on l'avait fait à l'époque, mais c'est une très bonne idée. Je ne pensais pas du tout à ça. Mais c'est une très bonne idée. Méthode 3. Plus récemment, ça vous dit rien de comparer sinus x à x? Réciproque, oulala, c'est vieux ça les réciproques. Plus récent. Kautar? Alors on a un équivalent en 0, sauf que là c'est pour tout x appartenant à R+, donc ça peut être très très loin de 0, donc un équivalent ne marchera pas. Par contre cet équivalent, on l'a obtenu grâce à la formule de Taylor. Et la formule de Taylor, il en existe une version globale, qui s'appelle la formule de Taylor avec reste intégrale. Si on écrit Taylor avec reste intégrale, ça marche que pour les petites valeurs de x, mais on peut voir. Si j'écris Taylor reste intégrale, ça va me dire que sinus x, moralement, j'écris son DL à l'ordre 1 et j'écris le reste de Taylor à l'ordre 2. Le reste de Taylor, ce serait l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance 1 et il me faut la dérivée seconde de sinus. Donc la dérivée de sin, c'est cos, la dérivée de cos, c'est moins sin, moins sinus t. dt. Ce qui veut dire que ça s'écrit x moins l'intégrale de 0 à x de x moins t sinus t dt. Dire, mais en quoi ça permet de montrer que c'est plus petit que x? Alors c'est un peu lourd, il faut faire une disjonction de cas, mais si x est pas trop grand, c'est-à-dire notamment pour moi plus petit que pi sur 2, si x est plus petit que pi sur 2, ce nombre-là, je sais qu'il est positif. Je sais que x moins t avec t entre 0 et x est positif. Je sais que les bornes de mon intégrale sont dans le bon sens. Donc je sais que cette intégrale-là, elle est positive. Je sais que j'ai mis un moins devant. Donc je sais que ce nombre-là, il est négatif. Donc je sais que mon sinus, il est plus petit que x. Et c'est complètement logique qu'il soit plus petit que x. Le terme d'après du DL de sinus, c'est moins x cube sur 6. Cette intégrale-là, moralement, si je fais le calcul et que je continue à faire des IPP et ce genre de choses, je vais obtenir du moins x cube sur 6. Donc c'est globalement négatif. Donc pour aller jusqu'à pi sur 2, par exemple, je peux complètement conclure que c'est plus petit que x. Et au-dessus de pi sur 2, comparer x et un sinus qui est bloqué à 1, c'est à peu près évident que x, il l'emporte sur le sinus dès qu'on est au-delà de pi sur 2. Donc cette méthode 3 permet aussi de prouver cette inégalité-là. Ce qui m'intéresse, c'est faire la méthode 4 pour vous introduire l'idée d'accroissement. L'égalité. Alors, pour pouvoir utiliser l'égalité des accroissements finis, il nous faut un segment. Il nous faut une fonction continue dérivable et après il faut voir, pour que ça ait du sens, il faut voir un accroissement. Soyons clairs, mon accroissement, moi je vais le voir au niveau de sinus x. Et c'est pour ça que ce théorème, en tant qu'étudiant, même quand j'étais à votre place, c'était une horreur pour moi.
J'avais un mal fou à m'en servir, alors qu'il est très 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 puissant, parce que j'avais du mal à voir les accroissements. Parce que les accroissements sont les trois quarts du temps comme ça, et que voir une notion d'accroissement quand on a ça, c'est pas simple. Donc comment on peut forcer un accroissement à apparaître quand on n'a pas d'accroissement? En forçant un zéro à apparaître, c'est-à-dire que ça, c'est sinus x moins 0. Et si ceci, je peux l'écrire comme sinus de quelque chose, alors j'ai fait apparaître un accroissement de la fonction sinus. Donc c'est quoi ce... Donc là, il faut que vous connaissiez votre fonction sinus, mais en fait, 0, enfin, en fait, ne rien mettre, c'est comme mettre sinus de 0. Et donc maintenant, j'ai bien... maintenant, on peut bien repérer l'accroissement de sine pour la fonction entre, enfin, ou sur 0x. Ce qui fait que je sais comment je vais appliquer mon égalité des accroissements finis. Je vais appliquer ça à la fonction sinus sur le segment 0x. On a sine continue sur 0x. Dérivable sur 0x ouvert par théorème des accroissements finis. Il existe C appartenant à 0x tel que sinus x moins sinus de 0 ce soit égal à sinus prime de C facteur de x moins 0. Alors ça se réécrit sinus x, j'ai plus besoin de réécrire mon sinus de 0, c'était juste pour reconnaître l'accroissement. La dérivée de sinus C c'est cos prime de C. Et x moins 0, ça fait x. Alors, j'ai une égalité quand on me demande de trouver une inégalité. Et c'est là où je trouve qu'en termes de fonction, l'égalité est quand même très 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 puissante, parce qu'on est très doué pour faire des amorces simples qui vont nous permettre de mieux maîtriser ça. Moralement, ce qui va me mener à une égalité, c'est d'arriver à obtenir une inégalité sur cette quantité-là. Reste à obtenir qu'est-ce que vous pouvez me dire du nombre cos prime de c? Pourquoi il y a encore un prime? C'était sine prime, excusez-moi. C'est plus cos prime, c'est cos. Enfin, j'ai calculé la dérivée. Donc comment est-ce que vous me trouvez une inégalité sur cos de c? On le fera vraiment par amorce après, mais ici une inégalité sur cos, c'est quand même pas très très compliqué. Qu'est-ce qu'on sait sur un cosinus? Oui, donc on va utiliser. Or, cos de c, c'est compris entre 1 et moins 1. Je vais multiplier par x qui est strict, qui est positif ou nul pour retrouver ce membre-là. Ça va me donner que cos c fois x, c'est plus petit que x et compris entre moins x. Et cos c fois x, par le théorème que je viens d'utiliser, bah ça c'est exactement sinus x. L'intérêt d'utiliser le théorème des accroissements finis et de faire une amorce, alors ici c'est pas vraiment une amorce vu qu'on a utilisé juste le fait que cosinus est entre moins 1 et 1, c'est que vous n'avez pas à le savoir, mais moi je vous l'assure, c'est qu'une amorce étant une succession d'étapes bijectives à partir de la dérivée et l'égalité des accroissements finis étant une égalité, si vous faites une amorce à partir de l'égalité des accroissements finis, l'inégalité finale que vous obtenez est la plus précise et la plus petite que vous pouvez obtenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux comme inégalité
que de passer par le théorème des accroissements finis. Faisons un deuxième exemple pour essayer de prouver quelque chose là-dessus, et on va voir aussi le gain que permet de faire le théorème des accroissements finis. C'est faire la première question de l'exercice 5. On savait déjà faire cette inégalité, on l'a déjà faite à partir d'intégrale. Mais là, on n'a pas besoin de passer par l'intégrale. C'est un tout petit peu plus facile que l'autre exercice, parce que là, je vais appliquer le théorème des accroissements finis, mais là, l'accroissement, il est visible. À quelle fonction et sur quel segment je vais appliquer le théorème des accroissements finis ici? Si je veux prouver cette inégalité-là. Où est-ce que vous voyez un accroissement? Pour quelle fonction? Entre quel point? Noix? Ouais, on va appliquer l'égalité des accroissements finis à la fonction ln de t sur le segment x, x plus 1. Je mets entre guillemets, on a bien ln qui est continu sur x, x plus 1. Dérivable sur x, x plus 1. Donc j'ai bien les hypothèses. Ce que je vais pouvoir dire, c'est que ln de x plus 1 moins ln de x, c'est égal... Alors j'ai oublié de mettre il existe c, pardon, appartenant à l'ouvert x, x plus 1. Tel que ça, ce soit du ln prime de c facteur de x plus 1 moins x. Ça, ça serait écrit ln de x plus 1 moins ln x. La dérivée de ln, on sait que c'est du 1 sur c. Et il me reste du fois 1 derrière. Alors encore une fois, je viens d'obtenir une égalité alors que je veux une inégalité. Et là, la méthode est beaucoup plus classique. Comment à partir... En gros, et je veux pas de c en plus dans mon inégalité. Donc... Comment je peux obtenir une inégalité sur cette quantité? Puis tout à l'heure, je vous parle d'amorce. La question, et c'est toujours la même quand on fait une amorce, de quelle ligne on part pour faire l'amorce? Yanis? Non, ça serait une autre méthode. Je peux le refaire cet après-midi à partir d'intégrale, c'est pas choquant. Que vous voyez comment on ferait par rapport à une intégrale. Mais ici, non, non. On peut faire ça. Comment on peut poser une amorce? Il vous faut une inégalité initiale, il vous faut une appartenance initiale. Théo? C'est pas T. On veut une amorce, on veut maîtriser cette quantité-là. Bah non. C'est C qui est compris entre X et X plus 1. On le sait par ce point-là. C'est C qu'on veut enlever de l'inégalité. C'est C qui ne doit pas apparaître dans ma quantité finale. Or, C est compris entre X et X plus 1. Je vais composer par l'inverse qui est strictement décroissante. Ça va me donner 1 sur X strictement plus grand que 1 sur C strictement plus grand que 1 sur X plus 1. Et 1 sur C par mon théorème précédent, ça fait du... ln de x plus 1 moins ln de x. Et on a même prouvé strictement mieux que ce que demandait l'énoncé, parce qu'on n'a pas des inégalités larges, on a réussi à obtenir des inégalités strictes. L'inégalité des accroissements finis, enfin l'égalité des accroissements finis avec une amorce derrière, c'est le type d'égalité le plus précis que vous pouvez contrôler sur votre accroissement de façon globale. On ne peut pas faire mieux. Si vous avez compris ça aujourd'hui, c'est le principal. Allons-y. On a fini sur un exemple du théorème des accroissements finis. On va poursuivre. Il y a grosso modo deux types de choses qu'on peut faire avec le théorème des accroissements finis. Des inégalités comme on a fait ce matin
et prouver la convergence d'un type de suite particulière qui sont, même si vous n'avez pas à connaître le nom, ce qu'on appelle des suites sous-géométriques. C'est-à-dire qu'ils subissent non pas, c'est pas une égalité de suite géométrique, c'est une inégalité, mais moralement ça se comporte pareil. Tiens, hop, faisons un autre exemple de la technique de sur les fonctions. Ça va rappeler des souvenirs à Jade et à Mathéo qui l'ont déjà eu en colle, mais avec des DL. On peut le faire aussi avec le théorème des accroissements finis. Trouver la limite de ce truc-là en plus l'infini, on peut le faire par des développements limités. Ils l'ont eu en colle. On peut aussi le faire par le théorème des accroissements finis. Alors, la question est de quel accroissement est-on en train de parler et sur quel intervalle? Et là, il y a plusieurs réponses valables possibles. Ça dépend de ce que vous voyez en termes de fonction et d'intervalle. Il y a plusieurs façons de voir ça. Clairement, l'accroissement, il est là. Mais comment voir ça? Encore une fois, voir quelle fonction sur quel intervalle, il y a pour moi deux représentations naturelles pour voir ça. Donc, on va avancer vite. Théo? C'est un des choix. Alors, si tu choisis de prendre f de x qui vaut exponentielle x, c'est quoi l'intervalle sur lequel tu vas travailler? Là, tu n'as pas géré ma notion de 1 sur x et de 1 sur x plus 1, entre guillemets. Bah, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. Si tu travailles avec la fonction exponentielle x et que tu n'as pas encore géré le 1 sur x et le 1 sur x plus 1, c'est que l'intervalle sur lequel on va travailler... Alors, je l'ai mis dans le bon sens, vu que 1 sur x plus 1 est plus petit que 1 sur x, il faut l'écrire dans ce sens-là, l'intervalle, mais ça, c'est une des deux solutions. Mais on peut très bien écrire la même chose, mais avec une autre fonction g de x. Noah, tu as une autre idée? On pourrait aussi travailler ça avec exponentielle de 1 sur x, sur l'intervalle, là dans ce cas-là, c'est juste sur l'intervalle xx plus 1. A vous de voir ce que vous voulez faire. Les deux solutions vont mener à la même chose. D'un côté, avec la deuxième fonction, vous allez complexifier votre calcul de dérivée, mais moralement, l'amorce derrière sera un peu plus simple. Sinon, vous avez un calcul de dérivée plus simple, mais une amorce un peu plus lourde. Enfin, c'est tout ce que vous avez payé d'un côté, vous avez le... Enfin, il va être compensé de l'autre. Maintenant qu'il y a des idées écrites au tableau, vous voulez que je fasse laquelle? Je vais peut-être pas forcément faire les deux. Qui aurait plutôt vu la première ou qui aurait plutôt vu la deuxième? Qui aurait vu la première? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui aurait vu la deuxième? Moins. Donc ça va être plus la première. Ok. Allons-y. Donc... appliquons l'égalité des accroissements finis à f sur l'intervalle 1 sur x plus 1, 1 sur x. J'ai mis à f, ouais, je l'ai noté f au-dessus, ça va. On a bien f qui est continu sur le segment 1 sur x plus 1, 1 sur x, oui. On cherche après, le but derrière de l'exercice, c'est de faire une limite en plus l'infini. On peut supposer que x est strictement positif et qu'on n'a pas le moindre problème. Et f dérivable sur... Encore une fois, si vous avez plusieurs fois à faire le théorème des accroissements finis, j'y crois pas dans un sujet, mais si vous avez plusieurs fois à le faire, la première fois, vous mettez bien vos hypothèses avec les ouverts et les fermés, et après vous dites, je réapplique le théorème des accroissements finis. Ce qu'on veut juste savoir, c'est qu'une fois, vous avez mis les bonnes hypothèses. Oui. Oui. Ce sont les hypothèses du théorème des accroissements finis. Bon, faut juste les donner, quoi. Là, je les mets entre parenthèses, parce que c'est pas ça qui va être le cœur de mon calcul, mais je dis bien, entre guillemets, au correcteur, que je
je connais mes hypothèses et voilà. Mais si vous avez trois fois à faire le théorème des accroissements finis, je l'ai jamais vu, c'est souvent qu'une seule fois. Mais si c'est trois fois, la première fois vous mettez les hypothèses, puis après vous dites de la même façon qu'à la question au temps, et vous avancez quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que f de 1 sur x moins f de 1 sur x plus 1, ça va être égal à f' de c fois 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Et j'ai oublié de mettre avant, il existe c appartenant à l'intervalle 1 sur x plus 1, 1 sur x. Donc ça, ça va bien me donner mon accroissement. Oui, il manque encore le x carré pour avoir le bon calcul, mais ça, ça me donne bien exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1. La dérivée, ça va me donner du exponentiel de c. Et ça, pour le moment, je vais le garder tel quel, mais on va voir que... Oula, c'est pas un plus, c'est un moins, excusez-moi. On va le mettre au même dénominateur après, hein, de toute façon, mais pour le moment, on peut le garder tel quel. Mais en quoi ça peut m'aider sur ma limite? Encore une fois, c, je sais rien dessus, à part le fait que c appartient à cet intervalle-là. Donc plutôt que de garder du C inconnu dans une équation, on va faire disparaître C et transformer cette égalité en inégalité. Or, C appartient à 1 sur x plus 1, 1 sur x. Ça se traduit par C est strictement plus petit que 1 sur 1 plus x est strictement plus petit que 1 sur x. Moi, ce que je veux faire apparaître, c'est l'exponentielle. Donc ça, c'est équivalent en composant par exp, qui est strictement croissante, à ce que exponentielle 1 sur 1 plus x est plus petit que exponentielle c est plus petit que exponentielle 1 sur x. Ok. Donc si maintenant je multiplie ça par 1 sur x moins 1 sur x plus 1, et c'est là, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de vraiment savoir que vous avez bien mis la borne du haut plus grande que la borne du bas, parce que sinon votre accroissement n'est pas positif et vous devez inverser le sens. Mais si je multiplie par ça, j'obtiens donc que... Et bon, j'en ai marre d'écrire la différence. Si je mets au même dénominateur ces deux quantités-là, ça fait directement du 1 sur xx plus 1. Ça fait du x plus 1 moins x. Donc si je multiplie par cette quantité-là, ça va me donner que exponentielle 1 sur 1 plus x divisé par xx plus 1 est plus petit que exponentielle c divisé par xx plus 1 est plus petit que exponentielle 1 sur x divisé par xx plus 1. Et le terme du milieu, c'est exactement devenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire c'est devenu... c'était f de 1 sur x moins f de 1 sur x plus 1. Et de l'autre côté, j'ai mon encadrement hein, maintenant qui est fait. La seule chose que je sais, c'est qu'il est optimal. Je peux pas faire mieux que cet encadrement. Donc s'il ne me permet pas à conclure à ma limite, je sais pas comment je vais faire. Alors la quantité qui est au milieu, f de 1 sur x moins f de 1 sur x plus 1, je remonte un tout petit peu, mais c'est cette quantité-là. C'est pas dont celle-ci dont on veut la limite, celle dont on veut la limite, c'est celle-ci multipliée par x carré. Donc dans ma série d'équations, je vais encore multiplier par x carré, qui est forcément strict, enfin positif vu qu'on va vers l'infini. Ça va me donner du x carré exponentielle 1 sur 1 plus x divisé par xx plus 1. Est plus petit que ma fameuse quantité x carré exponentielle 1 sur x moins exponentielle 1 sur x plus 1, qui est plus petit que l'autre membre qui va me donner du x carré xx plus 1 exponentielle 1 sur x. J'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai fait le mieux qu'on pouvait faire avec mon théorème des accroissements finis. Si l'exercice est correct et si la méthode en utilisant le théorème des accroissements finis ça nous permet de donner la limite, c'est parce que ça doit nous donner la limite. Puisqu'on a un triple encadrement, ça fait clairement penser au théorème des gendarmes. L'idée c'est, est-ce que les deux membres extrêmes de l'inégalité peuvent nous permettre de donner la limite? Donc il faut aller regarder la limite de chacun des autres termes, des deux termes au bord. On va commencer par le premier, celui-ci.
et on a x qui tend vers l'infini. Donc on a notamment des polynômes qu'on peut très facilement gérer à l'infini. Cette quantité-là, quand x tend vers l'infini, au numérateur, bah, il n'y a qu'un produit, je ne peux rien faire, je vais le garder comme ça. Au dénominateur, x est équivalent à x, par contre x plus 1, je peux le simplifier. X plus 1, son terme dominant, c'est x. Bah, ça me fait du x carré sur x carré, en fait, moralement, il me reste que ça. Et ça, je peux en trouver facilement la limite, il n'y a plus de forme indéterminée. Quand x tend vers plus l'infini, ça se comporte comme du exponentiel 1 sur l'infini. Donc du exponentiel de 0, ça tend vers 1. Bon, maintenant on n'a plus trop le choix, si notre théorème des gendarmes il doit marcher, il faut que l'autre membre tende aussi vers 1. On va voir que c'est, il n'y a quasiment rien qui change. On a toujours cette quantité là qui est équivalente quand x tend vers plus l'infini, pour essayer de simplifier un tout petit peu, à ceci, et au dénominateur je peux faire le même travail, ça devient du x sur x, c'est-à-dire que ça devient du exponentiel 1 sur x. Et ça aussi, ça se comporte comme du exponentiel 1 sur l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Et donc ça fait du exponentiel de 0 et ça tend bien vers 1. Par théorème d'encadrement. Notre quantité de base qui était celle-ci. X tend vers plus l'infini, pardon, pas 0, plus l'infini. Bah, cette quantité-là, elle tend forcément vers 1. Bon, moralement, la multiplication par x carré, si on veut passer par les développements limités, c'est censé vous souffler qu'il faut faire des développements limités à l'ordre 2 de exponentiel au voisinage de 0, parce que même si x va vers l'infini, 1 sur x va vers 0 et 1 sur x plus 1 va vers 0. Après, selon comment vous menez les calculs, c'est plus ou moins lourd. Mais on a maintenant encore une corde de plus à notre arc pour lever ce genre de choses. Est-ce que ça va pour ce deuxième exemple d'encadrement qu'on peut faire? Peut-être encore en faire un dernier, parce qu'il y en a un classique où je voudrais remettre encore une fois la méthode. J'ai dû le mettre plus loin du coup, vu que je ne l'ai pas là. Non. Je l'ai pas remis plus loin. Bah allons-y, on va le refaire, c'est pas grave. Enfin, un exercice en plus, je sais pas pourquoi il est pas dans le poly à cet endroit-là, ou alors je l'ai raté. Montrer que pour tout x strictement positif, arc tangent x est strictement plus petit que x et strictement plus grand que x sur 1 plus x au carré. Hop. Alors, si je veux le faire, vu le thème d'aujourd'hui, c'est que c'est sûrement par accroissement fini. Sauf que là, il y a le même problème que ce matin. Quel est ce problème et comment on le résout? Un peu plus fort, Cassiopée? Oui, on a le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accroissement ici. Donc l'accroissement, quand il n'y est pas, on va le créer. C'est-à-dire que ça, on va le voir comme arc tangent x moins 0, et ce 0, pour la fonction arc tangente, puisqu'elle est impaire, c'est tout simplement arc tangente de 0. Maintenant, on a un accroissement, on peut donc appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction arctane sur le segment 0x. On a bien arctane qui est continu sur le segment E. Pardon, c'est le segment continu. 0x. Dérivable sur 0x.
Donc, il existe C appartenant à l'ouvert 0x, tel que arc tangente x moins arc tangente 0 est égal à arc tangente prime de C facteur de x moins 0. D'un point de vue équation pour nous, maintenant qu'on a bien vu l'accroissement, on va pas le réécrire, hein, ça fait bien arc tangente x à gauche. À droite, vous devez connaître votre dérivée d'arc tangente. C'est jamais, ça pourrait vous être utile pas dans pas longtemps. Ce qui fait ceci. Et pour enlever, pour transformer en inégalité et pour enlever le c de cette équation, on va repartir de ce qu'on sait. C, il appartient à 0x, ce qui nous donne que C est strictement compris entre 0 et x. Et maintenant, on doit juste faire une amorce pour faire disparaître ce membre-là. Donc, je rappelle le principe fondamental de l'amorce. On dézoome. Donc, le premier calcul à faire. Oui, juste parce qu'au dénominateur, ayant les deux opérations, je voulais voir si vous me disiez ajouter 1 ou passer par le carré. C'est d'abord le carré. Priorité à la multiplication. Donc ça me donne du c carré qui est compris entre 0 et x carré. La fonction x donne x carré est strictement croissante sur r plus étoile. Donc sur r plus, mais en tout cas là on a besoin du fait que c'était positif, sinon ça ne marchait pas, on ne pouvait pas composer par le carré dans l'amorce. Ensuite on ajoute 1, ce qui ne va pas nous poser beaucoup de difficultés. Et ensuite, on compose par l'inverse, la fonction inverse étant strictement décroissante, ce qui nous donne du 1 sur 1 qui est plus grand que du 1 sur 1 plus c carré qui est plus grand que du 1 sur 1 plus x carré. On n'a pas tout à fait fini, il nous reste à multiplier par x, mais x ici dans mon exo, il est strictement positif, sinon ça ne marche pas. Et on se retrouve avec ceci qui est compris entre ça et ça. Et le membre du milieu, c'est exactement par mon théorème des accroissements finis, c'est exactement arc tangente x. C'est quand même un outil puissant et rapide. On pouvait faire 100 depuis le début de l'année, donc c'est pour ça que je l'ai repoussé. Il est au premier semestre, mais je l'ai repoussé tout au bout, tout au bout, tout au bout. Parce qu'on peut le faire par étude de fonction. Et si on n'a pas besoin des deux inégalités dans l'exo, une simple étude de fonction suffit. Là, quand même, pour ce genre de double inégalité, faire étude de fonction, ça demande de faire deux études de fonction. C'est quand même beaucoup plus long que de passer par cette méthode-là. Donc, si vous êtes capable de repérer le théorème des accroissements finis, c'est un outil très très puissant. On peut faire sans. On n'a pas besoin du théorème des accroissements finis. Je l'avais dit, j'ai oublié de le faire, je vais le faire juste là maintenant. Le premier exo qu'on a fait ce matin. On peut le faire aussi par intégration. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait faire par amorce et le théorème des accroissements finis, on savait déjà le faire avec des intégrales. Donc je vais en reparler. Mais c'est un outil puissant et rapide. Et si le sujet vous guide en utilisant le théorème des accroissements finis, bon, si vous y arrivez sans, je pense quand même que vous aurez tous les points. Mais il faut pouvoir l'utiliser comme ça pour qu'il ait du sens. Alors, l'inégalité de base de ce matin, celle qu'on avait fait ce matin, c'était laquelle? Que je la retrouve par intégrale, mais je peux aussi retrouver celle-là, c'est pas très gênant. Elle était où? Bah, elle doit être juste après. C'était celle-ci. Comment est-ce que je peux essayer de relier ça à une intégrale? Amélie, oui? Oui? Absolument pas. Une fonction paire en 0, tu ne connais pas sa valeur. Une fonction impaire, on sait qu'elle passe par 0 en 0, vu que son graphe il est symétrique par rapport à l'origine, donc il passe forcément par l'origine. Oui, ou alors ça marche pour toutes les fonctions références dont tu connais un zéro. Typiquement, c'est ce qu'on a fait
Tiens, bon, autre exo. Je fais pas tout, mais. Non, mais. Plus simple. C'est votre question de cours de semaine 1. Montrez que ln de 1 plus x est plus petit que x. On peut le faire par étude de fonction. On peut le faire avec le même principe d'accroissement. Le seul problème, c'est qu'il faudrait connaître un point qui annule la fonction ln. Et là, pas besoin de notion de fonction impaire. La vraie idée, c'est qu'il faut trouver un point qui annule la fonction pour voir un accroissement. Et ici, le point, c'est du ln de 1 plus x moins ln de 1. Et ça marche aussi de la même façon. Et donc, si vous faites... Alors, je fais pas le calcul, mais moralement, ça va vous faire apparaître du 1 sur c et ça va vous faire du 1 plus x moins 1. Ce qui fait du 1 sur c fois x pour l'égalité. Et c étant plus petit que 1, moralement, vous allez obtenir votre plus petit que x après votre amorce. Donc ça marche aussi très très bien par accroissement fini, cette inégalité-là. Je fais pas tous les calculs où ça m'intéresse pas et qu'on l'a déjà fait et qu'on sait déjà le faire. Et que là, il n'y a pas de gain de temps par rapport à l'étude de fonction. Mais ça marche aussi très très bien par accroissement fini. Le défaut pour un étudiant de repérer l'accroissement fini, pour moi, c'est ceci. Ça, à part vous dire... Pensez-y, quand vous êtes seul devant votre feuille, je ne peux pas être derrière vous et vous donner la moindre indication pour vous le souffler. Alors, comment on aurait pu faire ça par intégrale? Est-ce que quelqu'un a la moindre idée de comment ça c'est lié aux intégrales? Mathéo? Alors là, tu le vois par dérivé, du coup, il faut le voir par primitif. Parce que le problème, c'est attention, et ça c'est complètement faux, il faut bien le savoir. On ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, faire l'égalité des accroissements finis ou l'inégalité, ça revient à lier, à trouver une égalité qui lie la position à la vitesse. On est bien d'accord? Et ça a du sens. Par contre, attention à ça, et c'est dramatique et c'est complètement faux, vous ne pouvez pas dériver des inégalités. Si vous avez des informations sur la position de quelqu'un, vous n'avez aucune information sur sa vitesse. Deux personnes peuvent être à Paris et pas du tout avoir la même vitesse. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y en a un qui est plus bas que vous, vous ne savez pas pourtant s'il va plus vite ou s'il va moins vite que vous. On ne peut pas dériver des inégalités. Par contre, des inégalités, on peut les primitiver. Si je vous donne le point de départ et la vitesse de deux personnes, vous savez où est-ce qu'elles vont atterrir à la fin, entre guillemets. Donc, on peut primitiver des inégalités. Donc, si on voit un lien entre fonction et dérivée, il faut arriver à le réécrire sous forme d'intégrale pour que ça ait du sens. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas mettre à écrire des choses qui ont à voir avec des dérivés. La notion d'intégrale, elle est cachée ici. Ça, c'est du grand f de x plus 1 moins grand f de x. Ça, c'est l'intégrale de x à x plus 1 à partir du théorème fondamental de l'analyse de 1 sur t dt. Et donc, si je vous demande maintenant de me montrer que l'intégrale de x à x plus 1 de 1 sur t dt est comprise entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, j'espère que vous êtes tous capables de le faire. On sait très bien le faire, on le fait par amorce. On sait que t appartient à l'intervalle xx plus 1, ce qui nous donne du t compris entre x et x plus 1. Ce qui nous donne du 1 sur t qui est compris entre 1 sur x et 1 sur x plus 1. Maintenant, on intègre avec des bornes dans le bon sens. Attention, on intègre bien avec la même variable sur les trois intégrales. Donc, on intègre bien avec une variable en dt pour l'intégrale du milieu. Et maintenant, des deux intégrales au bord, et je finis pas mon calcul, des deux intégrales au bord, le 1 sur x et le 1 sur x plus 1 peuvent sortir de l'intégrale vu qu'ils ne dépendent pas de t. On se met à primitiver 1 et on sait faire. Et on retombe sur la même inégalité que ce qu'on avait obtenu. Donc ceci est complètement faisable par aussi, on savait déjà le faire avant. Donc encore une fois, à cause de ce genre de choses, le théorème des accroissements finis n'est qu'un outil en plus pour arriver à faire ce genre de choses. Si je reviens, pourquoi il ne veut pas changer ma couleur? Juste 10 secondes. Si je repars de mon exo ici, arc tangentique, c'était l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Et je vous assure qu'on peut faire la même chose. Que faire une amorce marche aussi. Ok,
On avait fait vraiment le tour, on n'aura pas le temps d'en faire beaucoup, on en refera la semaine où on reprend après le concours blanc, notamment aussi en TD, parce que c'est plus comme ça où il y a une situation où vous ne pourrez pas faire autrement qu'utiliser le théorème des accroissements finis, c'est pour les suites qui ne sont pas monotones et qui ont un certain comportement. Donc c'est des suites qui utilisent des fonctions de référence ou des variantes de fonctions de référence et qui ne sont pas monotones, parce que si elles ne sont pas monotones, vous ne savez pas comparer un plus 1 à un, et donc vous ne pouvez pas utiliser l'égalité des accroissements finis, parce qu'à plein de niveaux, vous ne savez pas quel est le signe de vos quantités. Donc vous voyez la technique d'amorce qu'on fait, où on a besoin des signes en permanence. Dans ce cas-là, l'égalité des accroissements finis ne va pas être très pratique, et on va devoir revenir au deuxième théorème qu'on a vu, l'inégalité des accroissements finis. Parce que l'inégalité des accroissements finis, elle s'écrit comme ça. Et moralement, puisqu'il y a des valeurs absolues partout, que si un terme plus grand que l'autre, si x est plus grand que y, ou si y est plus grand que x, je m'en fiche. Royalement, j'aurai quand même un calcul qui va me permettre de m'en sortir. Donc, à quelle situation ça correspond? On va peut-être pas tout faire, parce qu'il y a plein d'autres questions qui ont à voir avec le théorème des valeurs intermédiaires, etc. Je vais au moins décrire les exercices en partie. On va surtout se consacrer aux questions qui ont à voir avec le théorème des accroissements finis. Allons-y. Je les ai mis plus loin. On va commencer par celui en cosinus. C'est un simple et il va vite. Ou je suis avec la racine qui est plutôt pas mal aussi. Allons-y. Hop là. Je vous donne une suite qui est définie par la relation un plus 1, c'est racine de 2 plus un et u0 qui vaut 0. Question 1, montrer par récurrence que la suite un est positive pour tout n. Et je pourrais rajouter, tiens, si c'est, je sais que c'est le genre de truc qui vous perturbe, mais la question pourrait être montrer par récurrence que pour tout n appartenant un existe. Je sais que ça vous gêne quand il y a ça qui est marqué. Et un positif. Mais c'est la même chose. Je ne vais pas écrire toute la récurrence. L'initialisation, elle est faite au rang 0, il n'y a pas de souci. Comment on fait l'hérédité? L'hérédité, on suppose Pn vrai à un rang donné, donc je suppose que un existe et est positif. Comment je fais pour montrer que un plus 1 existe et est positif? On vient de le faire. On fait une amorce. On a la fonction qui est écrite là. On ajoute 2, 2 plus un plus grand que 2, racine de 2 plus un plus grand que racine de 2, ça c'est un plus 1, donc un plus 1 existe, et est positif. Je fais pas la rédaction du reste de la question, on est bien d'accord, on a prouvé que cette suite, elle est bien positive. Question 2, et en fait c'est ça pour les suites qui vont avoir un rapport avec ce théorème des accroissements finis. Il va toujours y avoir une fonction qui va être liée, forcément. Votre suite un plus 1, je la réécris ici, elle vaut racine de 2 plus un. Et dans la question 2, on vous pose f de x qui vaut racine de 2 plus x. Donc moralement, on est en train de poser la fonction f telle que un plus 1 ce soit f de un. Donc c'est ce qu'on a vu en info comme les suites récurrentes autonomes, tout simplement. Si on a une telle fonction f, en fait, on ne va pas pouvoir faire des théorèmes des accroissements finis pratiques. C'est même pas une recherche de zéro qu'il va nous falloir. Ce qu'il va nous falloir pour pouvoir faire des résultats utiles, c'est ce qu'on va appeler un point fixe de f. Alors ça va être caché par des calculs un peu tordus. Ici, il nous demande de calculer f de 2. F de 2, ça fait racine de 2 plus 2. Ça fait racine de 4. Et racine de 4, ça fait 2. C'est ce qu'on appelle un point fixe de f. C'est-à-dire que l'image f de l est égale à l, tout simplement. Ou f de x est égale à x. À quoi ça va nous servir de faire ça? Et déduire du théorème des accroissements finis appliqué à f que un plus 1 moins 2 est plus petit en valeur absolue que 1 sur 2 racine de 2 un moins 2. Ben, ils veulent faire quelque chose qui est lié au théorème des accroissements finis et ils veulent le faire sur cette quantité-là. Ben, ce qu'il faut juste remarquer, c'est ce que moi je vous ai fait remarquer ici. Et l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est ce qu'ils vous font remarquer dans le sujet, c'est que f de 2 est égal à 2.
Du coup, cet encadrement, cette valeur absolue un plus 1 moins 2, c'est ni plus ni moins que f de un moins f de 2. Et on vient de créer l'accroissement de la fonction f entre deux points. Pourquoi est-ce que j'ai besoin des valeurs absolues et pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'inégalité des accroissements finis? Est-ce que vous savez qui est le plus grand point entre un et 2? Non. Donc si vous devez gérer une égalité des accroissements finis sur le segment un 2, déjà vous devez m'en faire deux. Vous devez gérer le cas où un est plus petit que 2 et le cas où un est plus grand que 2. Et vous devez faire une disjonction de cas. C'est très très lourd à écrire pour pas grand chose. Donc à cause de ça, dans cette situation-là, il vaut mieux utiliser l'inégalité des accroissements finis. Et donc, on va se placer sur un segment ou un intervalle donné sur lequel on peut trouver des informations sur la fonction et où on va pouvoir encadrer la dérivée pour appliquer le théorème des accroissements finis. Moralement, pour majorer la dérivée et obtenir quelque chose, sur quel intervalle je vais me placer vu les données de l'énoncé? On vous pose la fonction f, on vous dit que le nombre un il est positif, et l'autre point qui va nous intéresser c'est 2. On va se placer sur quel intervalle? Cas ou tard? Alors 0,2 ce serait trop beau, parce que si on savait qu'on était sur 0,2, ça voudrait dire qu'on serait sûr que un est plus petit que 2. Or un on sait juste qu'il est positif lui, l'autre c'est 2, donc on va plutôt se placer sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui n'est pas un segment mais c'est pas grave. À partir de cet intervalle-là, on va aller appliquer l'inégalité des accroissements finis entre un et 2. Et donc à ce moment-là, sans connaître l'ordre des bornes, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Donc moralement, ce qu'il faut faire, c'est contrôler la dérivée de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. 0 plus l'infini, pardon. Alors, on a f qui est clairement de classe C1 sur R+. J'ai pas envie de m'embêter avec ça, mais s'il faudrait le dire, c'est parce que racine de x, elle est de classe C1 sur R plus étoile, que la fonction qui a 2 plus x est classe C1 sur R, et maintenant il faut aller gérer la composée des deux. Mais la composée des deux, moralement, la composée des deux, je fais pas les règles ici vu que ça m'intéresse pas de les détailler, mais je vous assure que si vous voulez vous entraîner, ça c'est de classe C1 sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ouvert en moins 2. Donc du coup, sur 0 plus l'infini fermé en 0, ça pose pas le moindre problème. Elle est de classe C1, je peux donc la dériver. La dérivée de racine de 2 plus x, c'est du 1 sur racine sur 2 racine de 2 plus x. Donc maintenant, pour tout x dans R+, je veux encadrer ma dérivée. Bah, pour tout x positif, je peux faire une amorce sur cette dérivée. J'ai 2 plus x qui est plus grand que 2. J'ai donc racine de 2 plus x qui est plus grand que racine de 2. Je continue pour ne pas descendre ma page et pour que vous voyez, ça mène à du 2 racine de 2 plus x qui est plus grand que 2 racine de 2. Ce qui me donne du 1 sur 2 racine de 2 plus x qui est plus petit que 1 sur 2 racine de 2. J'ai fait plus 2, j'ai composé par la racine qui est strictement croissante. J'ai multiplié par 2 qui est positif. Et j'ai composé par l'inverse qui est strictement décroissante. Alors j'ai pas mis de valeur absolue parce que c'était une racine, donc je savais déjà qu'elle était positive, mais ça m'implique bien que valeur absolue de f' de x est plus petit que 1 sur 2 racine de 2. Donc, par théorème des accroissements finis, f de un moins f de 2, on sait que c'est plus petit qu'un majorant de la dérivée, donc ici 1 sur 2 racine de 2, et fois l'écart de la fonction qui est là. Fois l'écart, enfin des entrées qui étaient dans la fonction. Ok.
Donc ça, c'est le seul type de questions, on va essayer d'en refaire une ou deux d'ici la fin de l'heure, c'est le seul type de questions qui sont absolument non négociables et à faire avec le théorème des accroissements finis. Même s'il n'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut faire par le théorème des accroissements finis. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez pas d'autre résultat qui va vous mettre des valeurs absolues et faire ça. À quoi sert ce type de résultat quand on a une suite? Ça sert à prouver, et 100% du temps c'est le but, que le point fixe de votre fonction, c'est la limite de votre suite. Oui, Nathan? Pardon? Alors si, un-2, en plus, il va être beaucoup plus petit que 1. Mais en fait, à vouloir le majorer par 1, tu perdrais une information capitale. Parce que là, en fait, on tombe sur un type de suite très particulier qui va nous être utile, du coup. Mais on va le voir. Mais c'est la question d'après, plutôt, ça. C'est-à-dire qu'on va toujours vous faire écrire un truc comme ça, et c'est cette question-là que vous ne pourrez pas faire autrement que de passer par le théorème des accroissements finis. À quoi ça sert, ce genre d'inégalité? Reprenons l'exo. La question d'après, en déduire que UN converge vers une limite L à préciser. Là, je vais faire une petite parenthèse avant de faire cette question-là. Ce qu'on vient de prouver, c'est que UN plus 1 moins 2, vu que c'était ça, F de UN moins F de 2, c'est plus petit. Je vais l'appeler Q fois UN moins 2. Et je vais tricher pour vous 10 secondes. Ce UN plus 1 de moins 2, je l'ai envie de l'appeler VN plus 1. Et en fait, j'appelle ça Vn plus 1, Un moins 2, c'est Vn. Donc en fait, ce que j'ai, c'est un truc qui est de la forme Vn plus 1 est plus petit que Q fois Vn. Est-ce que vous comprenez mon terme de suite sous-géométrique maintenant? Si j'avais égalité, j'aurais du Vn plus 1 qui est égal à Q fois Vn, et j'aurais exactement une suite géométrique. Mais ici, je n'ai pas une suite géométrique, j'ai une suite qui est plus petite qu'une suite géométrique. D'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, je vous dis sous-géométrique parce qu'elle est plus petite, mais c'est pour simplifier le vocabulaire. Officiellement, on appelle ça une suite surgéométrique, excusez-moi, parce qu'elle va plus vite vers 0 qu'une suite géométrique. Elle est plus rapide qu'une suite géométrique. Mais moralement, est-ce que vous voyez le lien aux suites géométriques? Du coup, si j'avais une suite géométrique, je pourrais trouver que Vn plus 1, c'est égal à Q puissance n fois V0. D'après vous, si j'ai une suite de ce type-là, qu'est-ce que je vais pouvoir prouver sur la suite Vn plus 1? Si j'avais égalité, je peux montrer que c'est égal à V0 Q puissance n. Là, je vais pouvoir montrer que c'est plus petit que V0 Q puissance n. Je vous assure que ça ne pose pas la moindre difficulté. Ah, donc on peut montrer une relation de ce type-là. Enfin, pas pour Vn plus 1, c'est plutôt pour Vn ici, donc ça aurait été pour Vn ici aussi. Donc il faut juste penser à écrire que cette suite est sous-géométrique moralement et que ça permet de générer ce genre d'inégalité pour arriver à prouver que la suite tend vers 0, et on va le voir. Alors il y a plusieurs façons de le voir, plusieurs façons de l'écrire, il faut qu'on fasse plusieurs exemples, j'aurai pas le temps de tous les faire aujourd'hui. Mais moralement, on peut le faire par des trois petits points. Un plus 1 moins 2 plus petit que 1 sur 2 racine de 2, un moins 2. On peut aussi dire que c'est plus petit que si j'applique l'inégalité au rang n-1, c'est plus petit que du 1 sur 2 racine de 2. Et le un-2, je peux le remplacer par 1 sur 2 racine de 2, un-1 moins 2. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'applique l'inégalité précédente au cran d'après, ceci se remplace par ceci? C'est plus petit que. Si je le simplifie, juste une simplification, ça me fait du 1 sur 2 racine de 2 au carré, et je me retrouve avec du n-1 moins 2. Mais cette inégalité-là, je peux encore la réappliquer et la décaler d'un cran. C'est-à-dire que je peux écrire que c'est du 1 sur 2 racine de 2 au carré, et ça, dire que c'est plus petit que 1 sur 2 racine de 2, un-2 moins 2. Alors le but n'est pas de faire ça, mais de comprendre ce qui va se passer. Si je simplifie, ça fait du 1 sur 2 racine de 2 au cube
un moins 2 moins 2. Si on continue les inégalités, à la fin, si je veux mettre du U0 moins 2, je vais mettre du 1 sur 2 racine de 2 puissance combien devant? C'est ça la seule question. Quelle puissance je mets ici? Est-ce que vous êtes capable de généraliser la suite des inégalités? Quand je mets du UN, j'ai du 1, quand j'ai du n moins 1, j'ai du 2, quand j'ai du n moins 2, j'ai du 3, quand je tombe à U0, là-haut, j'ai du... C'est du n plus 1, ouais. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est du n plus 1. C'est une des façons, hein. Je vais vous montrer comment on peut faire d'une autre façon, hein, mais... il faut que je passe à la page d'après, pardon, excusez-moi. Donc, un plus 1 moins 2, c'est plus petit que 1 sur 2 racine de 2 puissance n plus 1 fois u0 moins 2. Et clairement, ce nombre-là, il tend quand n tend vers plus l'infini, c'est un nombre plus petit que 1 à la puissance n. Ça tombe vers, tend vers 0 comme suite géométrique de raison 1 sur 2 racine de 2 qui est bien un nombre compris entre 0 et 1 strictement. Donc un plus 1 moins 2 moralement tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, vu que c'est une valeur absolue, donc forcément elle tend vers 0. La limite de la suite, soyons clairs, c'est donc 2. Si un plus 1 moins 2 tend vers 0 à tour en n, un tend vers 2. Voilà ce que permet de faire ce genre de d'inégalité type théorème des accroissements finis sur une suite dont on ne connaît pas la monotonie. Ça permet de prouver qu'elle converge vers le point phi d'exprimer de la fonction. Bon, la question d'après, je la fais pas, j'en ai déjà traité une ou deux, des comme ça, on en a déjà vu. C'est à partir de ce genre d'inégalité, ce que permet de faire ce genre d'inégalité qu'on ne sait pas faire d'habitude, c'est aussi montrer des. Trouver des rangs à partir duquel cette quantité-là est plus petite que 10-5. C'est des inégalités avec des exponentielles, on en a déjà fait. Ah. Je passe la dernière question pour cet exercice-là. Je préfère, vu qu'il nous reste que quelques minutes, qu'on ait fait un deuxième exo du même genre pour que vous ayez l'idée. Alors on va pas tout faire, surtout que vous l'avez déjà fait, c'est votre premier DS. Alors c'est l'exo de votre premier DS, mince. C'est l'exo de votre premier DS. Refait, il y avait, ou alors c'était en TD, je sais plus, ou en DM, enfin bref. Je suis sûr et certain de vous avoir donné à faire cette suite implicite où il y avait des inégalités de ce genre-là à faire. Sauf que j'avais complètement zappé la partie 3 parce qu'on n'avait forcément pas les théorèmes associés. Donc il faut juste prendre les notations du sujet. La fonction f1 de x, c'est la fonction. Alors, f1 de x ici dans le sujet, c'est g de x et de 1, et g de x et de 1, c'est 1 plus ln de 1 plus x. Donc c'est ça notre fonction f1 de x. Et dans la nouvelle partie de ce sujet, il vous donne une suite qui vérifie u0 égale 1, un plus 1 qui vaut f1 de un, et donc j'ai bien dit que la fonction f1 de x était 1 plus ln de 1 plus x. Ok. Regardez le genre de questions que pose cette partie. Ça ressemble pas du tout à l'exo précédent. Première question, démontrer par récurrence que la suite UN est plus grande que 1. On procède exactement de la même chose, on fait une amorce, on montre que cette suite est plus grande que 1. Est-ce que ça vous va si je le fais pas? Alors, il faut remonter un peu parce qu'il manque une notation. 2A,
La solu l'équation fp de x égale x, elle admet une unique solution alpha p. Donc forcément, le alpha 1 qu'ils vont vous mettre à partir de la question B, il faut aussi savoir que alpha 1, c'est l'unique solution de f de alpha 1, f1 de alpha 1 est égal à alpha 1. Et là, on vous dit appliquer à f1 l'inégalité des accroissements finis entre alpha 1 et un et en déduire que un plus moins alpha 1 est plus petit que 1 demi puissance n moins 1. Donc là, attention, ils ont été beaucoup plus, ils ont fait l'exo d'avant, mais dans le sens inverse. Au lieu de vous donner l'égalité qu'on obtient par les accroissements finis, ils vous ont donné l'égalité qu'on obtient sur la suite géométrique. Donc vous avez le résultat intermédiaire à écrire sur la suite, enfin sur le théorème des accroissements finis. Mais bon, comme ils vous disent, à la fonction f1, l'inégalité est entre alpha 1 et un. Ça commence quand même à être à peu près clair. Si on applique l'inégalité des accroissements finis, d'après l'inégalité des accroissements finis, on a que f de un moins f de alpha 1 va être plus petit que m fois un moins alpha 1 pour m, un majorant de la valeur absolue de f' de x. Alors il faut majorer la dérivée de cette fonction, f1', c'est des f1 de un et f1 de alpha. Or, f1 de x, c'est la fonction 1 plus ln de 1 plus x. Je vais un tout petit peu vite vu qu'il est 57. F1' de x, la dérivée de cette fonction. Est-ce que ça va à tout le monde que la dérivée de cette fonction, c'est 1 sur 1 plus x? Maintenant, il faut que je remonte un peu dans mon sujet. Un, je sais qu'il est plus grand que 1. Alpha p, je sais qu'il est plus grand que 1 plus ln de p, donc je sais aussi que alpha 1 est plus grand que 1. Donc maintenant, cette dérivée, je dois la majorer sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a un supérieur ou égal à 1, alpha 1 supérieur ou égal à 1. Majorons la valeur absolue de f1' de x sur 1 plus l'infini. Soyons clairs, cette dérivée, elle est clairement positive sur 1 plus l'infini. Donc plutôt que majorer la valeur absolue, je peux majorer la fonction directement. On a x plus grand que 1, ce qui nous donne du 1 plus x plus grand que 2, ce qui nous donne du 1 sur 1 plus x plus petit que 1 demi, ce qui nous donne donc que la valeur absolue de f'1 de x est toujours plus petite que 1 demi. Donc notre théorème des accroissements finis, c'est f de un moins f de alpha 1 est plus petit que 1 demi de un moins alpha 1. F de un, la suite, elle a été créée comme ça. F de un, ça fait un plus 1. F de alpha 1, ça fait alpha 1. Et on se retrouve avec cette inégalité-là. Maintenant que vous avez cette inégalité-là, puisqu'ils vous ont demandé de montrer que, la question c'était montrer que un moins alpha 1, c'est plus petit que 1 sur 2 puissance n moins 1. Maintenant que vous avez cette inégalité-là et donc que vous avez entre guillemets un lien père-fils, un lien d'une génération à l'autre, vous pouvez prouver cette inégalité-là par récurrence. On en refera, hein. Je pense que le TD du lundi après le concours blanc que vous devrez préparer, il va faire des choses sur des inégalités par accroissement fini ou des choses comme ça.